réseaux sociaux et aux commentaires. Nous aurons l'occasion de vous proposer l'intégralité de cette course tout au long de l'après-midi sur TV Lux, notamment avec des consultants. Nous rejoindrons tout à l'heure, d'ailleurs, Freddy Avlanche viendra nous rejoindre plus exactement pour les commentaires de cette course. Il y aura également Gaëtan Bill qui sera parmi nous et également comme journaliste Benjamin Mars qui viendra assurer les commentaires dans l'après-midi. Nous venons de prendre le départ de Marchand Famen du WEX, du zoning du WEX. D'ailleurs, c'est le départ fictif de cette classique, alors que l'arrivée sera jugée aux alentours de 17h, toujours à Marchand Famen, avenue de la Toison d'Or. Voilà donc, les coureurs viennent de démarrer ce départ fictif pour entamer la course avec le départ réel d'ici quelques instants depuis la zone qui est proche du camp militaire de Marchand Famen, c'est-à-dire à la chaussée de Lourdes. Nous allons donc voir ce que cela va donner tout au cours de cet après-midi. 136 coureurs pour cette épreuve UCI 1.1 Continental European Tour. Donc on a l'occasion évidemment d'avoir quelques coureurs de renom ici cet après-midi, même s'il n'y a que les Lotto-Soudals qui proviennent de la formation des formations World Tour, mais avec un certain Maxime Montfort, évidemment, en province de Luxembourg, c'est le régional de l'étape. Maxime Montfort qui, lui, s'aligne. Il est de retour d'Italie et il va donc, on l'espère en tout cas, animer cette course. Quatre Luxembourgeois, d'ailleurs, font partie du peloton cet après-midi. Je vous parle des Luxembourgeois puisque aujourd'hui nous sommes en province de Luxembourg et qu'avec TV Lux on suit tout particulièrement ces coureurs. Maxime Montfort mais aussi son coéquipier Rémi Mertz sont donc deux parmi les quatre, avec aussi d'autres coureurs, mais notamment Arthur Baud, hein, qui est un coureur de la province de Luxembourg, qui fait partie de la formation Agoacqua Service. Et puis le régional de l'étape, Guillaume Haag, qui est en excellente progression, qui fait partie du pôle continental wallon, qui est un marchois, donc il connaît bien évidemment la région ici, la course, et notamment celle de cette arrivée, de ce départ, puisqu'il est famenois. Arthur Guillaume Haag, qui, je vous l'ai dit, progresse bien d'ailleurs de semaine en semaine au sein des pelotons. Oula, une chute. Chute, et ce sont des lotos. Il y a notamment... Alors là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Dans cette course, une seule équipe World Tour, c'est les Lotto Soudal. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le vainqueur sera en Lotto Soudal ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, au contraire. On peut penser que tout le poids de la course va reposer sur les épaules de la formation de Maxime Montfort. On sait qu'il part avec une terrible pancarte dans le dos. Hein. Il part évidemment comme favori. Peut-être que pour la première fois cette saison, il porte d'ailleurs le dossier numéro 1. Hein. Peut-être que pour la première fois de la saison, il a le leader. Il faudra voir également Rémi Mertz, dont on connaît le caractère. Mais il est évident que c'est l'équipe Lotto-Soudal qui va supporter le tout pas de la course. Par conséquent, c'est loin d'être gagné. Et on voit d'ailleurs ici que le coureur, qu'on annonce déjà l'abandon de Maxime Farazin, donc un premier abandon à signaler. Maxime Farazin qui avait été embauché en dernière minute dans la formation de Sport Vanderen Baloise. Oui. Le fils, nous avions connu son papa, hein, qui avait été coéquipier de Claudie Criquet-Lyon sur les routes du Tour de France. Et qui, lors de l'édition 2012, qui avait pris son envol à Liège, avait connu une situation un peu paradoxale, alors qu'il avait préparé sa valise et ses bagages pour partir en vacances avec son épouse. Il a été rappelé de toute urgence pour prendre le départ, et parce qu'un coureur avait dû déclarer forfait en dernière seconde. Et le papa de Maxime s'était présenté au départ à Liège pour le prologue, escorté par la police fédérale pour lui permettre d'arriver à l'heure. Et il avait bouclé son Tour de France malgré tout. Oui. Voilà donc une anecdote évidemment assez croustillante. Merci Freddy.
Alors que, bah oui, nous prenons la direction d'Ouéris. Et là, il y a Jérôme Ménard qui est en tête, fait partie de cette équipe de l'armée de terre. Parlez-nous un petit peu de cette équipe, en fait. Mais en fait, bon, jadis, on a connu ce qu'on appelait le bataillon de Joinville. Donc, ils sont tous militaires, ce sont tous des militaires de carrière. Et c'est assez paradoxal de savoir qu'ils touchent tous le même salaire. C'est une chose, mais ils ont l'ambition. Ils ont l'ambition l'an prochain de participer au Tour de France, par exemple. Benjamin Thomas n'est pas là au départ. Il aurait certainement figuré parmi les favoris. Mais ce sont des garçons, on le voit d'ailleurs, qui ont toujours l'habitude, sur toutes les courses où ils se présentent, de mettre le feu aux poudres. Et on le voit qu'ils font déjà partie de la première escapade du jour. Hein. Alors, les favoris aujourd'hui C'est difficile, évidemment, de pointer un favori. N'oublions pas que nous sommes en fin de saison. Donc, ouais. Il faut d'abord voir la motivation qui anime encore certains concurrents. On peut évidemment penser que le vainqueur pourrait sortir de la formation Lotto-Soudal. Et pourquoi pas Maxime Montfort, parce que Maxime a tout de même modifié un peu sa fin de saison. Il a participé à Benchim et Bench pour faire des kilomètres. Mm-hmm. Il est allé sur le Tour de Lombardie pour se faire mal. Bon, c'est un professionnel d'expérience. Hein. Il n'a toujours pas digéré son abandon forcé sur la Vuelta, alors que à trois jours de la fin, il a dû mettre pied à terre victime d'une bactérie. Mais bon, c'est un garçon éminemment professionnel jusqu'au bout des ongles. Et je suis certain qu'il va mettre tout en œuvre pour faire le maximum aujourd'hui. Donc voilà, donc on voit que le coureur de l'armée de terre maintenant, le Jérôme Ménard, va être rejoint par trois concurrents. Là, nous allons avoir un quatuor au commandement. Mm-hmm. On n'aperçoit pas. Voilà. On n'aperçoit pas le... Tête de la course avec Molly, Kenny Molly, Lander Steinav, Jérôme Ménard et Martin Kreuz. Voilà donc quatre formations représentées avec le jeune Kenny Molly qui habite juste de l'autre côté de Ploegsteert, entre Ploegsteert et Ypres, et qui vient de réussir, on peut le dire, un très bon stage au sein de la formation Fortuneo. Il était d'ailleurs dans les 8 coureurs qui ont animé le final de l'Euro Métropole Tour. Et je rappelle que c'est son coéquipier d'un jour, le Britannique Daniel Maclay, qui s'est finalement imposé. Mais Kenny Molly est un excellent coureur, certainement à ne pas négliger. Mm-hmm. Dans cette échappée, Lander Steinav, le Belge, l'un des Belges de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. On retrouve également donc Jérôme Ménard, qui est le premier à être sorti du peloton. Et on retrouve un Néerlandais de la formation Continental Sec Racing Academy, Martin Koistra. Voilà, c'est un moment, je dirais, on a parcouru 20 km, une vingtaine de kilomètres. Oui. Par conséquent, il s'agit de voir s'ils vont obtenir la permission de creuser un écart ou s'il va y avoir une réaction du côté du peloton. On peut imaginer qu'on va les laisser aller, car a priori, il n'y a pas de grands noms parmi ces gars-là. Et ils vont chercher des points pour le premier GPM, peut-être. Oui, le premier GPM, voilà, ils sont au pied d'ailleurs. Hein. Oui. Ils sont au pied de la première difficulté du jour. Hein, je rappelle qu'il y a 3, 2 et 1 point qui seront attribués aux trois premiers. Il y aura des gens qui vont se concentrer sur le classement des reliefs, c'est évident. Et pourquoi pas Kenny Molly. 12 secondes d'avance pour ce quatuor sur un coureur. Et le peloton a une cinquantaine de secondes. Et une minute pour le peloton. Oui. Ça a l'air de rien. Ce qui veut dire que le peloton laisse aller, comme on dit hein, dans le jargon. Le tableau renseigne 2:47 maintenant. 2 minutes 47 pour les 5 hommes. Et voilà l'ardoisier qui nous annonce 2 minutes 47, ce qui veut dire que l'écart a considérablement augmenté et qu'entre-temps, les deux coureurs de poursuite ont rejoint le quatuor de tête et c'est immédiatement David Boucher
dont on connaît aussi le tempérament. Hein. C'est un garçon qui a parcouru des centaines de kilomètres en tête sur les routes des plus grandes courses, que ce soit sur le Tour des Flandres, Grand Wevelgem, Paris-Nice et autres, et qui, à 37 ans, est allé chercher le titre de champion belgique du contre-la-montre pratiquement chez lui, puisque l'épreuve se disputait à Chimay. Il a terminé également troisième cette année du duo normand. Et malgré ses 37 ans, il garde toujours le même enthousiasme. Donc, tête de la course, voilà. On revoit les six hommes de tête actuellement, avec Kenny Molly, David Boucher, Lander Senave, Jérôme Ménard, Martin yeah. Koistra et Maxime Rusnak. Et pour l'instant, c'est un peu tranquillou, on va dire. Oui, avec une belle collaboration. Hein. On voit que chaque coureur reprend son tour de relais. On peut penser que ce sera, comme on dit, l'échappée du jour. Voilà, dans quelques secondes, une petite minute d'ailleurs, nous vous proposerons ce petit arrêt publicitaire, cette petite pause publicitaire. Nous sommes donc au-dessus de la Roche avec ce magnifique château que vous invite Freddy à visiter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Mais... Je l'ai déjà fait, mon cher Pascal. Voilà. Et c'est vrai que c'est extrêmement agréable. Voilà, vous devez regarder. On découvre la ville le fantôme de Berthe d'une autre manière. Hein. Voilà. Un village très touristique, évidemment, et un haut lieu de gastronomie dans toute la région, Bosse Nord, Luxembourg. Voilà, Ardennes classique. Dans quelques secondes, la publicité. On se retrouve juste après pour la suite de cette course UCI. A tout de suite. Venez découvrir Rochehaut sur ce mois. L'Auberge de la Ferme vous propose une mise au vert au cœur de l'Ardenne authentique. Profitez d'un agréable séjour gastronomique suivi de la découverte des produits du terroir dans notre boutique spécialisée. Vous embarquerez ensuite à bord de notre petit train pour une visite du parc animalier entre ferme et forêt. Enfin, remontez le temps grâce à notre agrimusée. En amoureux ou en famille, un séjour riche en émotions. Plus d'infos sur www.aubergedelaferme.com. Alors que ben, voici les coureurs, justement, au sommet de cette côte. Oui, au sommet de la côte, accélération de Kenny Molly, hein, qui a déjà passé en tête au sommet de la première bosse, avec dans son sillage Lander Senave. Donc on voit déjà, après deux ascensions, que ce sont ces deux garçons-là qui vont tenter d'obtenir le droit tout à l'heure d'aller sur le podium, hein, avec une accélération maintenant du Moldave Maxime Rusnak, en vue du passage au sommet. Kenny Molly qui réagit et Kenny Molly qui reprend la tête. Voilà le jeune coureur de Ploegster qui vient d'emmagasiner trois points en plus. Complémentaires. Donc, hein. C'est évident, Kenny Molly qui aura 21 ans au mois de décembre prochain, qui a terminé 14e de Liège-Bastogne-Liège, qui a été le quatrième meilleur jeune du Tour de Normandie, qui était également cinquième de Romsey-Stavoromsey, et je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait partie de la grande échappée dimanche dernier sur le Rome Métropole Tour. Et je rappelle aussi que son papa avait été le mécanicien attitré de Frank Vandenbroek. C'est donc une famille de cyclistes, un garçon très très méritant et qui lui aussi pourrait nous apporter de belles satisfactions dans le futur. Et on voit déjà que les consignes sont claires, hein, du côté de la formation Lotto-Soudal, puisque pour l'instant, c'est un coureur de l'équipe de Maxime Montfort et de Rémi Merckx qui imprime l'allure au peloton, ce qui veut dire qu'on ne va pas leur laisser prendre trop grands avantages. Hein. Ouais. Voilà, donc
Kenny Molly qui a donc inscrit 3 points supplémentaires, qui a franchi en premier lieu la ligne du GPM2 de la côte de Dochamps. Nous prenons la direction maintenant de Samré, c'est-à-dire nous entrons dans la commune de La Roche. Voilà donc Kenny Molly devant Rusnak et Koistra. Voilà donc pour le GPM2. C'est manifestement une bonne chose pour Kenny Molly puisqu'il a emmagasiné déjà 6 points, hein, et qu'il s'isole déjà. Puisque oui, Sénave ne prend rien. Hein, les autres n'ont que 2 points. Ouais. Donc voilà. Et on voit dans ce groupe de tête toujours David Boucher à l'ouvrage. C'est pour l'instant donc, le stagiaire de la formation Lifferdange de Marc Godard qui régule l'allure dans le groupe de tête. Prochaine ascension au kilomètre 58, nous serons à La Roche-en-Ardenne. Oui, avec la côte de Nizramont. Kenny Molly donc qui est actuellement en tête après 2 GPM, il y en a 7 au total. Et notamment quand même des côtes du Kraoui là dans un peu avant le circuit final. Chandebi qui emmène le peloton maintenant, c'est un spécialiste du cyclocross avant de se consacrer plus directement à la route et qui quittera la formation Lotto-Soudal en fin de saison. Jérôme Ménard maintenant de l'équipe de l'armée de terre qui prend son tour de relais avec Kenny Molly. Kenny Molly toujours aussi généreux. Le jeune coureur de Ploukster qui avait connu un gros souci lorsqu'il militait chez les juniors, victime d'une très vilaine chute. Il avait écarté pendant longtemps de la compétition. On avait d'ailleurs imaginé qu'il pouvait être perdu pour le sport, mais heureusement, il n'en est rien. Nous rappelons évidemment que pour remporter son prix, pour être désigné comme le meilleur grimpeur du jour, il doit non seulement grappiller des points aux endroits stratégiques, mais il doit aussi et surtout rejoindre la ligne d'arrivée. Oui, donc, Voilà, c'est toujours David Boucher, en spécialiste du contre-la-montre, qui régule l'allure dans le groupe de tête. Alors que Kenny Molly se prépare probablement à une nouvelle accélération en vue du sommet de la troisième difficulté du jour. Voilà, et on prend à droite en direction de Nizramont. Le team Differdange-Loche hein, qui a cette particularité depuis de très nombreuses années de recruter des coureurs venant de tout azimut. Hein. C'est ainsi que pour l'instant, il y a 2 Moldaves, là, Maxime Rusniak qui se trouve là. 2,34. Dans le groupe de tête. Et l'écart est de 2 minutes 34. Ça diminue un peu. Hein. Qu'on ne leur laisse tout même pas trop de liberté. Il est voilà maintenant en pleine campagne là-bas. Et là, il est évident que le vent présent peut jouer des tours à ces garçons qui. Sans trop réfléchir, sont en train d'accomplir déjà pas mal d'efforts. N'oublions pas que nous sommes à la fin de la saison, une saison qui se terminera aujourd'hui en ce qui concerne la Wallonie, qui se terminera la semaine prochaine avec le traditionnel clôture de Puttkapelle en province d'Anvers, à la frontière néerlandaise. Voilà, alors que pour l'instant, le système moto perd un petit peu la connexion. On revient sur des images aériennes avec le drone et de très belles images d'ailleurs. Absolument. Du barrage de Nizramont, important évidemment. Voilà, une manière également de découvrir la région. Voilà, très belles images. Un barrage que l'on ne connaît pas avec ses
Magnifique photo. Et on va se retrouver dans quelques instants, Freddy, à nouveau. Un petit espace publicitaire, et puis on revient pour la suite de cette classique Ardennes Famenne. A tout de suite. Voilà. Voilà, nous sommes de retour à l'Ardennes Famenne Classique, Famenne Ardennes Classique, plus exactement, avec Freddy Avalanche. Nous sommes sur TVLux notamment. On vous propose toute la course, l'intégralité de la course. Freddy Avalanche, notre consultant. Freddy, nous sommes dans cette fameuse côte de Nice-Ramon, troisième GPM du jour. Oui, effectivement, nous retrouverons l'antenne au bon moment, puisque voilà les hommes de tête en vue du sommet de la troisième côte du jour, et on peut s'attendre évidemment à ce que Kenny Molly veuille encore emmagasiner un maximum de points, c'est-à-dire 3 points, puisqu'il faut rappeler que le premier enlève 3 points, le deuxième 2 points et le premier 1 point, qu'il est passé en tête au sommet des deux premières difficultés du jour, la côte de Wiris et la côte de Deschamps. Et voilà, on voit David Boucher évidemment avec toute son expérience qui invite tous les concurrents de cette échappée à participer à la réussite, je dirais, de cette échappée, puisque, et voilà notre commissaire moto qui va aller se positionner au sommet de la bosse pour visionner effectivement le passage au sommet. Toujours les 6 coureurs de tête, toujours la même chose. Voilà, ce n'est pas une côte parmi les plus difficiles, Pascal. Non. Et à mon avis, bon, cette côte ressemble fort à ce qu'on a connu précédemment. Bon, il n'y a pas vraiment une côte aujourd'hui qui va sortir du lot, mais certains évoquaient notamment la côte de Charneux dans le final, qui pourrait être quand même... côte de Charneux qui est à 3 paliers, hein, ouais, qui, ouais, elle pourrait, ouais, effectivement, il y a des passages à 12%, et là, ce sera usant, hein, ce sera usant probablement. Alors qu'on voit toujours le peloton, toujours la même physionomie. Hein, oui, toujours le même qui emmène. Toute la largeur de la chaussée et toujours la formation Lotto-Soudal avec un seul de ses représentants. Mais derrière, en embuscade, ils sont deux maintenant d'équipe Lotto, avec l'équipe Wanty Group Gobert qui réussit de belles choses, hein, depuis le début de la saison, il faut le dire. Ils ont continué sur leur lancée. Attaque en tête. Et en attaque en tête, on voit que c'est effectivement le Moldave Maxime Rusnak qui veut jouer les points de la montagne face à Kenny Molly, qui ne s'en laisse pas surprendre. Kenny Molly qui a bien répondu à l'accélération du coureur de l'équipe de Differdange Loche. Et nous aurons dans quelques instants le passage au sommet et le pointage. Voilà, nouvelle accélération de Kenny Molly maintenant, et le Moldave qui concède 2-3 longueurs. Kenny Molly qui va gérer ça comme un grand, et voilà, et voilà, c'est fait maintenant. 3 points de plus. Il prend 3 points complémentaires, et la deuxième place et 2 points également pour le sociétaire du team Differdange Loche. Kenny Molly, on le pressentait, qui affiche ses prétentions ici sur cette épreuve. Aller chercher la récompense du meilleur grimpeur du jour. ...2:47... au tableau. Confirmation par l'ardoisier de service, 2 minutes 47...
Et voilà de très belles images, ouais, ici. Oui. Tout le peloton et la colonne des directeurs sportifs. La route qui n'est pas en fort bon état, là, visiblement. Eh bien, l'ancien, le vieux, David Boucher, a toujours des fourmis dans les jambes et tente d'accélérer dans le groupe de tête, là. Et nous sommes à 117 km de l'arrivée. Je rappelle que le premier passage ici sur la ligne se situe à 66 km de l'arrivée, c'est-à-dire au kilomètre 129. Nous sommes actuellement au kilomètre 77. Donc nous allons bientôt nous retrouver, j'imagine, dans la zone de ravitaillement. Et il y a une bonne ambiance qui règne dans le groupe de tête, d'ailleurs, hein. Je vois qu'il y a un brin de causette là entre David Boucher et notre compatriote Lander Sénave, qui est belge, mais bien que né en France. 2 minutes 45, dernier écart. Tosh van der Sande est reparti avec le maillot déchiré, nous dit-on. Ben voilà, s'il peut déjà remonter en machine, c'est déjà, ouais, c'est déjà un moindre mal pour ce garçon toujours souriant et qui fait partie de la génération montante au sein de l'équipe de Kurt Van de Wover. Voilà, et le ravito, hein, ravitaillement, premier ravitaillement en cours. Voilà, ravitaillement à 116 km de l'arrivée, ce ne sera pas suffisant, me semble-t-il, pour un peu secouer le peloton, qui va encore vouloir laisser un peu de liberté à ces six coureurs. Hein, une échappée qui s'est dessinée finalement, Pascal, assez tôt, hein, oui, très tôt. En deux temps, d'abord quatre et puis deux. Et nous avons maintenant six coureurs où on voit que, eh bien, c'est la bonne entente. David Boucher et son bon cœur est en train de ravitailler ceux qui n'ont pas de musette en tête de course. Voilà. On continue à se battre devant, ça fait déjà aller. Et ils ont creusé l'écart, on est à 3 minutes 30. 80 maintenant. Km qu'ils sont en tête. Hein, je rappelle Molly, Bouchard, ouais. Zénab, Mélin, Koistra et Rousnak. Et l'écart a atteint son maximum maintenant, ouais. 3 minutes et 30 secondes. Il faudra d'ici une trentaine de kilomètres, il faudra au sein du peloton que l'on pense tout doucement à réagir si on ne veut pas avoir une mauvaise surprise. Ouais. Et au peloton, c'est maintenant Kevin Van Melsen qui prend son tour de relais. Le coureur liégeois qui n'a pas disputé le Tour de France, mais qui reste évidemment l'un des pions de cette équipe Wanty Group Gobert, qui nous a fait plaisir sur les routes du Tour de France avec Frédéric Bakkaert, avec Van Kelsburg, avec Thomas Degan, tous les garçons qui à certains moments se sont mis en évidence et de manière constructive. Une formidable carte de visite pour eux, finalement, ce Tour là, de France. Là, c'était le petit pousset. Et certains avaient contesté cette invitation de Christian Prudhomme. Et les poulains de l'Air Van der Schuur ont rapidement répondu à leur manière, c'est-à-dire à la pédale. Et les voilà au pied de la quatrième ascension du jour, la côte de Bonnerue, et sans doute que en direction du sommet il y aura une accélération de Kenny Molly qui est en passe peut-être d'accentuer son avantage encore au classement des reliefs sur cette Famen Ardennes Challenge, première du nom. Kenny Molly qui actuellement totalise 9 points puisqu'il a remporté les 3 premiers GPM du jour. Il est toujours 3 minutes 43. Longtemps l'écart était de 2,45, c'est l'écart maximum, 3,45, 3,43 maintenant. Et pour l'instant Kenny Molly qui n'a plus pris son tour de relais depuis un certain temps et donc par conséquent, il attend probablement pour produire son effort. Pour le moment, c'est toujours David
Boucher qui imprime le rythme aux hommes de tête avec donc dans son sillage Lander Sénave et fermant la marche Jérôme Ménard pour le compte de l'armée de terre. Et lorsque nous aborderons Nassogne d'ici peu, hein, ce sera au kilomètre 107, que nous entrerons dans Nassogne, il y aura un luxembourgeois chez lui, c'est Guillaume Hague. On en a parlé au début de cette émission, du pôle continental wallon, et il passera devant chez lui puisqu'il est de Nassogne même. Guillaume Hague, qui est kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, et qui adore ce genre de rendez-vous. Ouais. Guillaume, il aime bien se confronter comme ça au grand. Et il se dit, voilà, un jour, j'ai été à côté d'un tel, il a participé à deux reprises au ce qu'on appelait, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui, le Gala du Tour de France au Grand-Duché de Luxembourg. Hein. Et il s'était chaque fois amusé. Je pense que c'est un garçon, comme on dit, un amateur dans l'âme. Et qui avait des qualités, mais qui pratique la bicyclette pour son plus grand plaisir. Voilà, et pour l'instant, dans le groupe de tête, toujours pas le moindre signe de fatigue au niveau des échappées. C'est toujours David Boucher qui régule l'allure. En danseuse maintenant, en vue du sommet, alors qu'on voit les deux principaux intéressés côte à côte, c'est-à-dire le 127 Maxime Rusnak du team Differdange. Et voilà, accélération immédiatement de Kenny Molly, flanqué comme son ombre par le coureur moldave. Voilà les deux coureurs qui se retrouvent une fois encore roue dans roue, alors que Lander Sénave regarde ça à une dizaine de mètres en se disant que de toute façon, tout ça allait se regrouper dans la descente. Vous parliez du Lituanien en tête, là, de Differdange, le manager, Marc Godard. Oui, bien sûr, je connais Marc. Hein. Et je voudrais vous dire que Marc est un personnage incontournable. Mais quelqu'un qui est encore plus incontournable, c'est son épouse. Ah bon ? Suzy Godard. Suzy Godard qui, à l'âge de 52 ans, a arrêté la compétition il y a quelques mois à peine. C'est la Jeannie Longo, luxembourgeoise. Elle a encore participé au début de l'année, ici, au début du mois de janvier, au championnat du monde de cyclocross qui se sont disputés au Luxembourg. Elle avait d'ailleurs fait l'objet d'un très beau reportage réalisé par l'RTBF. Et malheureusement, sa dernière course ne s'est pas bien terminée puisqu'elle a été victime d'une vilaine chute qui l'a contraint à l'abandon. Mais une personne extrêmement sympathique, ils ont deux filles qui ont aussi pratiqué le vélo, mais qui n'ont jamais réussi à devancer leur maman. Et la maman disait, voilà, quand les deux filles me battront, je reprendrai peut-être mon vélo au club. Mais elle l'a arrêté avant cela, à 52 ans. Et aujourd'hui, elle s'investit dans l'organisation, notamment d'épreuves comme le Tour du Grand-Duché de Luxembourg, où elle est aussi pilote moto d'un commissaire. Oui. Comme quoi, voilà. Suzy Godard, oui. Magnifique vocation. Ah, voici l'abbaye de Saint-Hubert. Et oui, voilà, la place de Saint-Hubert. Il nous rappelle de bons souvenirs. Le Tour de Wallonie également a fait escale à Saint-Hubert. Il y a de cela quelques années. C'est au cœur de Saint-Hubert. C'est devant la basilique. Il a payé, c'est plutôt la basilique. Ah, un peu de... Oula, une voiture qui est dans le... Un peu de zizanie maintenant dans le groupe de tête. Alors qu'on peut déplorer, évidemment. Une voiture qui s'est... Cette voiture, mais heureusement, sans conséquences néfastes. Et voilà, ce sont les personnes qui ne souhaitent absolument pas suivre les injonctions de la police. Et des gens qui ont pour mission de protéger les coureurs. Et encore et toujours David Boucher, pour qui le rythme en tête de course n'est pas suffisant, semble-t-il, le vétéran du peloton. Alors que Rémi Merz, là-bas,
en cinquième position maintenant. Gianni Marchand pour l'équipe Cybelle Sebon. On aperçoit également Pierre Goubert, le jeune coureur ennuyé. Et nous sommes à hauteur du parc à gibier, comme on le voit sur les images. Toujours avec nos hommes de tête. Voilà, dans une zone un peu plus boisée maintenant. Oui. Mais jusqu'à présent, à moins que je me trompe, Pascal, nous n'avons pas encore vu la pluie. Hein. Et c'est très bien. Non, non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, non, merci. Il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. Je crois que vous avez de bonnes relations avec qui de droit. Voilà, un coureur du PCW à la traversée de Saint-Hubert également. En tête du peloton maintenant. On avait annoncé tout à l'heure l'abandon du Canadien William Elliott, que Pascal Pitorares avait recruté. Et on a également Sébastien Delfos qui... Il y a du changement maintenant. Voilà précisément Marc Godard au volant de la voiture du team Differdange Schloch. Voilà, peloton à son tour dans la traversée de Saint-Hubert. Et les coureurs de l'équipe Lotto-Soudal, très très attentifs hein, aux avant-postes du peloton. Et si Maxime l'emportait en solitaire? Ce serait magnifique. Pascal. Maxime l'a emporté en solitaire. Pourquoi pas? Frédéric Bacquart qui mène maintenant au peloton. Frédéric Bacquart qui a été des centaines de kilomètres en tête sur les routes du Tour de France. Et l'Ardoisier 3-10, nous dit l'Ardoisier ça maintenant. Ça descend. Oui. Mesdames, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette Femmes Ardennes classique en notre compagnie, où que vous soyez, que ce soit sur votre smartphone ou encore sur votre ordinateur, voire en plein centre de Marchand Femmes sur écran géant, pour m'accompagner pour ce final. Gaëtan Bill, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous allez bien? Ça va très bien. Eh bien, on va vivre ce final ensemble. Il reste environ 90 km. À parcourir, les coureurs prennent la direction d'une des difficultés. Ils sont dans cette difficulté, la côte du Kraoui, pour monter en direction de Nassau. Une côte très compliquée, Gaëtan, puisque le pied est assez facile, mais la côte se complique sur son final avec vraiment des pourcentages assez importants. Ici, je veux dire, ça monte déjà assez bien, mais vous allez voir, sur les dernières centaines de mètres dans cette difficulté, ça va montrer très fort et après finalement basculer assez vite pour redescendre. C'est peut-être ça la difficulté dans une bosse, c'est quand ça se complique sur la fin, non ? C'est plus compliqué une bosse qui est difficile sur ses dernières longueurs que peut-être le pied compliqué. Exactement, donc en fait ici on peut voir que le peloton contrôle justement les attaques, donc les coureurs sont dans un rythme assez à l'aise, même si on voit bien les pourcentages sont très durs. D'ailleurs on aperçoit ici Maxime Montfort bien placé dans la route Christophe Prémont. Mais alors quand c'est vrai quand la course va débuter, c'est sûr que les difficultés à la fin sont très dures à passer.
Et donc là, c'est le gros plan sur cette échappée matinale. Ils étaient 6, ils ne sont plus que 5 en tête. Voici la composition de ce groupe de tête. Kenny Molly, David Boucher, qu'on apprécie évidemment voir devant. C'est son rôle, David Boucher. Accélération d'ailleurs de Kenny Molly, c'est pour aller chercher les points. Sénave est aussi présent dans ce groupe de tête. Et Molly est déjà passé en tête aux autres difficultés. Il fait la bonne opération sur cette épreuve. C'est un classement annexe, on n'est pas sur un grand tour. Mais c'est quand même important d'aller chercher les points, non ? Oui, bien sûr, surtout pour un jeune coureur qui doit se mettre en évidence comme Kenny. On a pu voir ici en fin de saison qu'il a eu la chance d'avoir un stage avec l'équipe Fortuneo Oscar. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour lui. Alors l'année prochaine, il continuera avec Ago, mais il aura pu avoir un petit peu de coffre en plus, d'expérience en plus pour bien prester. Oui, c'est vraiment une équipe de jeunes coureurs, hein, cette équipe Ago, qui était un peu mise en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour soutenir les jeunes coureurs, les lancer dans le bain du professionnalisme. Dans cette équipe, il y a par exemple un Sylvain Moniquet qui est en première année espoir, qui fait un tour de Namur exemplaire. C'est certainement l'un des plus grands talents en montagne que la Wallonie compte pour le moment, non ? Oui, exactement. Ago a vraiment une très bonne génération. On peut voir, donc on parlait de la montagne, il y a Sylvain, mais il y a aussi Julien Mortier qui passera professionnel l'année prochaine au sein de Wallonie-Bruxelles. Et ensuite des coureurs plus type flandrien comme Gordon De Winter ou autre Franklin Six. Oui, et après il y a peut-être un autre argument, c'est de dire que le coureur qui n'a pas spécialement réalisé une super saison cette année, ben, c'est peut-être la dernière chance pour lui aujourd'hui, presque la dernière chance. Il reste encore quelques épreuves au calendrier international. World Tour, c'est le Tour de Turquie actuellement. Et puis, ce sera direction la Chine pour conclure ce calendrier World Tour. Donc, ouais, il reste encore quelques possibilités, mais plus beaucoup si quelqu'un veut se mettre en évidence. Exactement. En général, les contrats sont clôturés vers la période de mi-septembre, fin septembre. Ça dépend un petit peu des équipes et de leur engagement envers certains coureurs. Mais voilà, cette période-ci, ça devient de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins de place dans les équipes. Donc, en général, comme on dit, les jeux sont faits. Ah tiens, on voit Rémi Mertz pour la formation Lotto. C'est un des régionaux de cette épreuve, l'Arlonnais Rémi Mertz, qui roule pour sa première saison dans le peloton World Tour au sein de cette formation Lotto, que vous avez connu aussi, Gaëtan, en tant que coureur. Un petit mot sur Rémi, l'air de rien. Je crois qu'il s'installe assez pour un petit temps là, non, dans le peloton. Il réussit bien ses missions d'équipier. Hein, il faut le reconnaître. Il fait ça plutôt avec brio, non ? Voilà, exactement. Donc Rémi a vraiment été bien guidé dès le début de son intégration au sein de Lotto Soudal grâce à Maxime Montfort, forcément. Puisqu'ils sont tous les deux originaires de la province du Luxembourg. Et alors on a pu voir Rémi dès le début de l'année qui s'est bien mis à plat ventre et a fait vraiment le travail pour ses leaders. Et grâce à ça, il a eu vraiment la confiance des dirigeants et il a de plus en plus un programme lourd. Quand je dis lourd, c'est forcément les courses World Tour. Et il a eu la chance de participer à la Vuelta ici durant son le mois de septembre. Grand tour, hein. Donc voilà, exactement son premier grand tour, ses 3 semaines d'épreuve. Et il a su terminer ça. Donc c'est vraiment extraordinaire quand vous êtes néo-pro. Et c'est bien la preuve que le moteur est présent. Et ici, il a repris la semaine dernière les courses parce que forcément, comme il est encore jeune, après la Vuelta, son corps était vraiment fort fatigué. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une belle occasion pour lui de se mettre en évidence parce qu'il est néo-professionnel dans une équipe comme ça. Le parcours lui convient vraiment comme un gant. Et allez, il faut voir un petit peu comment ça va se dessiner dans le final. Mais je crois beaucoup en Rémi pour un résultat aujourd'hui. Oui, Rémi, là on le voit, il a un rôle d'équipier. Clairement, s'il est aux avant-postes, il ne va certainement, à mon avis, pas pouvoir jouer sa carte personnelle. Bon, peut-être à moins d'une surprise. Chez Lotto, qui est le coureur désigné pour jouer la gagne. On sait que Maxime Montfort a certainement l'envie de bien rouler chez lui, mais on connaît aussi les qualités de Maxime en tant qu'équipier, de super équipier. Qui va tirer les marrons du feu du côté de chez Lotto ? Alors c'est très dur à savoir, puisque Lotto avait 2 sprinteurs au départ, à savoir Tosh Vanderson qui passe très très bien les côtes et qui pour moi était un des favoris aujourd'hui, mais malheureusement j'ai appris qu'il est tombé dans la partie en ligne. Donc cette carte-là, c'est éteinte. Et alors, il y a Moreno Flan, qui lui est un très bon sprinter, mais au vu du parcours, je pense que ça va être un peu trop dur pour lui.
Du coup, l'auto va se remettre le poids de la course sur des coureurs comme Maximo Faure ou Sander Armé, qui a gagné une étape à la Vuelta. Ouais, c'est donc, pas rien. Hein. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment les coureurs en forme, des coureurs qui savent faire la différence. Ah, ils ont toute la pression sur leurs épaules. Hein. L'auto, c'est la seule formation World Tour sur cette épreuve. Ah, ils peuvent pas finalement passer à côté de cette course. Hein. Attention, là, on rentre sur les circuits locaux, donc il va falloir s'habituer à ce parcours. C'est là que la course va se dessiner pour le final. Et on voit cette côte, on est dans la côte de Charneux qui sera à franchir à 4 reprises, c'est pas rien non plus. Côte de Charneux qui est assez compliquée au pied, on les voit ici dans un rythme assez intense pour monter le pied de cette côte de Charneux. Ça va un peu redescendre dans le village et puis là, c'est le gros du morceau dans le village de Charneux. Exactement, c'est une côte en deux paliers, comme on dit. Donc, première partie qu'on voit ici à l'écran qui est assez dure. Ensuite, il y a la petite descente de 50 mètres dans le village. Et là, on va vraiment chercher les gros pourcentages directement où le sommet se situera à 1 km du GPM, comme on dit, donc la côte principale. Et alors, comme je disais tout à l'heure, ça ne descend pas directement, mais il y a encore un long faux plat. Donc, c'est là que les coureurs peuvent faire la différence pour les attaquants. Très compliqué pour le moment pour David Boucher qui s'accroche, hein, le baroudeur, le nordiste qui est le plus belge des nordistes, on va dire, je crois qu'il vit en Belgique, hein, David Boucher. Ça va être très compliqué pour lui, on voit qu'il s'accroche dès que ça monte. Hein. Oui, exactement, c'est plus un coureur type flandrien, donc pour lui une côte comme ça, fort pourcentage, c'est très dur, mais voilà, fidèle à lui-même, il s'accroche et puis le connaissant, ce sera le premier à relayer dès qu'il pourra. Et donc, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur le site web, la page web de TV Lux pour suivre cette course en intégralité. Et puis évidemment, il y a pas mal de monde, hein, dans le centre de marche pour suivre sur écran géant cette course. Et pour l'instant, scénario vraiment classique avec cette échappée matinale qui va bon train et qui monte cette difficulté, la côte de Charneux. On verra tout à l'heure le peloton, on voit un peu quand même la réaction de ce peloton. À mon avis, peut-être qu'on va faire un tour, comme on dit, un tour pour rien dans ce peloton et puis lancer la bataille. Oui, exactement. Il y a des équipes comme par exemple Anti-Groupe Gobert qui ont tout intérêt à durcir la course car ils ont à leur possession Guillaume Martin qui depuis le Tour de France a vraiment passé un cap. On peut voir qu'un coureur comme ça c'est vraiment un coureur d'avenir. D'ailleurs, il a été élu meilleur cycliste du mois de septembre en France, donc c'est pas rien quand on voit le niveau français. Il a remporté au mois de septembre le tour du Gévaudan, donc c'est un niveau en dessous, mais il s'est vraiment distingué sur le tour de Toscane devant un coureur comme Visconti ou Nibali, donc là c'est vraiment des très grosses références, et pour lui, c'est un cap vers l'avant, et je pense qu'on entendra vraiment parler de lui l'année prochaine au niveau international. Ouais, Nibali qui vient de signer un gros coup là, en remportant le tour de Lombardie, la course des feuilles mortes. Voici la petite descente avant finalement le plus dur de cette difficulté. C'est vraiment, vous allez le voir, ça monte assez fort pendant 500 mètres, voire 1 km ici pour aller chercher le sommet de cette côte de Charneux. Ça ne va pas redescendre après. Ça va être là certainement l'endroit stratégique de cette épreuve. C'est là que la course va se dessiner. GPM 1 km, donc on est encore 1 km du sommet. Et je peux vous assurer que là, il y a du pourcentage, on le voit avec la maison et le dévers donc, de cette maison. Voici le peloton. Et est-ce que ça n'accélérerait pas un tout petit peu, là, Gaëtan? Oui, je pense que ici, le stagiaire britannique de l'équipe Lotto est en train de mettre un bon tempo. C'est toujours dans le but de limiter les attaques, puisque ce sera vraiment dans le dernier tour que celles-ci vont se faire. Donc, on peut voir que le peloton contrôle pour l'instant encore, je pense, au moins pendant deux tours. Et j'ai l'impression que l'homme le plus fort dans ce groupe de tête, c'est Kenny Molly. Je le voyais là tout à l'heure discuter, demander un peu à ses compagnons d'échapper de peut-être en garder un peu moins sous la pédale. J'ai l'impression qu'il a un peu des fourmis dans les jambes. C'est pas mal ça de voir un jeune coureur s'illustrer de cette manière sur une épreuve, tout de même un point. Oui, voilà, c'est vraiment l'occasion pour lui de se mettre en évidence. Ici, juste avant la partie raid, on a pu distinguer le fan club de Stijn de Volder, qui sont toujours présents sur les courses belges. Et ici, comme je disais tout à l'heure, ça ne redescend pas directement. On peut voir
que le vent vient de droite, donc là c'est une difficulté supplémentaire. Les pourcentages sont un peu moindres ici, mais c'est encore suffisant pour faire la différence. Et on va en direction du village de Roy, sur les hauteurs faménoises. Vous avez cité le nom de Stijn de Volder, c'est intéressant ça, parce que c'est quand même un coureur de... Bah, certainement un des noms les plus ronflants hein, sur cette course, en tous les cas sur la liste des participants. Il a tout de même gagné le championnat de Belgique. Vous y étiez d'ailleurs à ce championnat de Belgique à La Roche. On vous avait vu vous distinguer dans les derniers kilomètres. Bah, c'était l'homme le plus fort, là, il n'y avait pas photo. C'est un parcours qui peut lui convenir, mais est-ce que Stijn de Volder a encore la motivation d'aller scorer sur des épreuves comme celle-là? Exact. Donc, en fait, on peut. Oui, Stijn n'est plus tout jeune, c'est sûr, mais il a un palmarès énorme. Quand vous remportez deux fois le Tour des Flandres, vous pouvez largement vous distinguer sur une épreuve comme aujourd'hui. Ensuite, il faudra voir pour lui comment sont les jambes, mais c'est sûr que c'est un parcours d'attaquant. Et dans la forme de ses grandes années, c'était vraiment le genre de parcours sur lequel il pouvait se distinguer. Ah bien, c'est OK hein, pour Kenny Molly, il n'y a pas de doute. Il va pouvoir certainement monter sur le podium après cette épreuve. Il a empoché pas mal de points là sur le circuit en ligne. On est encore hein, finalement sur le circuit en ligne. Certes, cette partie-ci fait partie du circuit local, mais une fois les coureurs, c'est le principe, quand les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée, on entrera vraiment dans les circuits locaux. Kenny Molly, vraiment là, il m'impressionne. On n'a pas spécialement envie de lui disputer les points parce que j'ai un peu l'impression que c'est course perdue pour les autres membres de l'échappée lorsqu'il faut aller chercher les points au sommet du GPM et c'est souvent cet ordre hein, Molly, Rusnak et Ménard qui empochent à nouveau les points cette fois dans le GPM de Charneux. Voici le village de Roy, club de foot hein, à Roy assez bien connu qui évolue en 3e provinciale et leur nom ce sont les Roligris. Voilà, c'est le surnom de cette équipe de football de 3e provinciale, l'équipe de Roy. Voici le peloton Christophe Prémont, le visage un peu marqué par l'effort. Et certes, c'est un temps excellent, on est en automne, mais l'élément principal aujourd'hui, outre le parcours, ça va être le vent. Hein. Oui, voilà, ici on peut voir que le premier coureur crée un éventail dans sa roue. Donc les aules, il protège au final que si cet autre coureur dans sa roue, donc là c'est vraiment déterminant parce que derrière on use beaucoup plus d'énergie. On peut voir aussi que Tosh van der Son s'est replacé, donc on annonçait une chute de lui dans la partie en ligne, mais ici il semble que, là, ouais. Voilà, que son genou est un petit peu touché, mais ça devrait aller, donc il faut voir un petit peu comment il va récupérer de ça et il peut rester un des favoris. Oui, c'est le vent là au sommet de cette côte de Charneux, ça je pense que c'est vraiment l'endroit stratégique. Est-ce que David Boucher est lâché du coup de tête ou C'est sûr que le coup de pédale n'est pas au top là. Ah mais non, ils sont dans sa roue. Il compte pas ses efforts, hein, David Boucher, lorsqu'il en échappait. On a un peu l'impression qu'ils vident leur dernière cartouche, hein, les hommes de tête. Oui, juste surtout David ici, je pense qu'il va avoir très dur au prochain passage. Mais voilà, il a vraiment un très beau caractère pour ça. Il est inusable, hein, il a 37-38 ans et il a rempilé pour une année, donc il n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Ouais, c'est un peu hein, finalement un coureur à la Jackie Durand, hein, ils viennent de la même région. Ce sont des baroudeurs. Je crois qu'il a passé plus de kilomètres aux avant-postes que dans un peloton, hein, David Boucher. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je me souviens des années chez Lambourg Crédit, je pense qu'il avait créé le Davidomètre, donc c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcouru en échappée, alors il prend ça comme un jeu et ça faisait vraiment la fierté de son manager à l'époque, c'était Gérard Bullens, puisque ça faisait des heures de direct télé pour le sponsor, c'est vraiment parfait. Oui, c'est l'intérêt évidemment d'une échappée matinale. Bah, là, il y a aussi un autre intérêt, c'est la course dans la course, puisqu'il y a les GPM et forcément des points à disputer et une présence sur le podium en fin de course. Mais l'intérêt principal, alors que il y a un petit souci de transmission, ça va mieux. Forcément, on est en Ardennes et en Famenne. Pas mal de bois, c'est pas toujours évident d'avoir une réception parfaite. On n'est pas non plus dans les Alpes, mais on n'en est pas loin. Mais je veux dire, par là, David Boucher et ses présences, son incalculable présence dans les échappées, c'est aussi pour montrer le maillot et c'est l'importance finalement d'une échappée matinale. C'est de se montrer les sponsors, montrer le maillot. Et là, c'est ce que ces coureurs sont en train de faire.
Et ici, donc, c'est le deuxième virage. Donc là, on sort sur la gauche et on sort avec une route très sèche. Donc là, c'est parfait. Et c'est ça la difficulté de cette période, finalement, l'automne. Ça amène des conditions de course dans les descentes et sur le plat aussi relativement dangereuses. Hein, les feuilles mortes et puis on est sur une asphalte sèche et puis une asphalte mouillée. Donc c'est pas évident de gérer une descente. Bon, là il y a cette descente-ci et les coureurs vont passer à plusieurs reprises. Il y aura la descente aussi avant l'arrivée qui est très très technique, Gaëtan. On voit vraiment les coureurs, ils sont sur la retenue là. Hein. Voilà, on voit que David Boucher est vraiment plus à l'aise dans ce genre de virage, tandis que ici le coureur de Differdange a un peu plus du mal et il met beaucoup d'énergie à revenir. Donc c'est toujours des efforts en plus qui se payent sur la fin. Et ensuite, oui, pour en revenir à la descente de l'arrivée, c'est sûr que ça peut faire une petite différence. Comme je dis, un coureur très fort dans la côte et assez technique dans la descente pourra arriver seul ici sur cette ligne d'arrivée. Oui, c'est un virage gauche ici assez compliqué. Il y aura aussi un virage vers la gauche pour la ligne d'arrivée, un peu dans la même configuration pour venir sur cette ligne d'arrivée. On l'a vu tout à l'heure, on est passé là, Gaëtan. Oui, il va falloir être prudent. Hein. Voilà, ici, donc c'est vraiment la partie qui pourrait désavantager un homme seul. Donc il doit y avoir plus ou moins un bon kilomètre de grand route. Et ensuite, à partir de, quand je dis du kilomètre 3, à 3 km de l'arrivée, ça va vraiment favoriser les attaques, puisque ce sera vraiment des petites routes étroites, techniques, passages, chaussées rétrécies. Et puis après, donc voilà, le fameux virage aux 300 mètres qui fait plus que 90 degrés. Oui, c'est un virage très très serré. Ah, si l'homme de tête arrive seul, ça passera sans problème, il sera prudent. Par contre, j'imagine moins un peloton arriver en sprint massif, ça risque d'être un peu plus délicat, même si bon, ce sont des professionnels et ils auront l'occasion de bien repérer cet endroit avant d'aborder le sprint d'arrivée, si sprint il y a. Évidemment, toujours ces 5 hommes qui auront l'honneur finalement de découvrir Marchand Famenne en tête de cette épreuve, toujours une bonne minute d'avance et le peloton gère cet écart. Ça sert à rien non plus de rentrer trop tôt. Voilà, c'est sûr que si le peloton rentre maintenant, ça va favoriser les attaques. Donc allez, on voit l'intérêt de certaines équipes de contrôler la course, comme c'est ici encore le cas avec Vérand'a Willems. Ça rigole en tête de peloton, donc allez, ils maintiennent vraiment bien les échappées à distance et on voit que c'est eux qui maîtrisent. Gros plan sur Kenny Molly, finalement, le meilleur grimpeur de cette épreuve. Chute de Stijn de Volder. On annonce une chute du coureur des Vérand'a Willems. Stijn de Volder, dont on a parlé il y a quelques instants, qui avait été champion de Belgique pas très loin d'ici, du côté de La Roche-en-Ardenne. Ce serait intéressant peut-être d'avoir plus d'informations à ce niveau-là, voir si c'est une chute sans gravité ou alors une chute un peu plus grave pour Stijn de Volder, qui pouvait peut-être prétendre à quelque chose. Et attaque devant de Kenny Molly, qui a finalement pas mal de fourmis dans les jambes. Voilà, donc pour lui, je pense que l'échappée est en train de s'éteindre et comme il se sent bien, il n'a pas peur de relancer. Donc ça montre le caractère du coureur et l'ambition qu'il a. Il va pouvoir normalement rentrer en tête ici sur marche, donc pour lui ce sera vraiment un bon souvenir. En ce qui concerne Stijn de Volder, ben, on suppose que la chute a eu lieu dans la descente, donc comme on le disait, descente fort, fort technique et avec les éléments comme la route humide ou les feuilles mortes, ça ne pardonne pas. C'est un bon descendeur, Stijn de Volder ? Bon descendeur, c'est pas... pas son point fort. Voilà, exactement, c'est pas la montagne, c'est plus un coureur flandrien, donc c'est bien connu qu'en Flandre, les montagnes sont rares. Mais voilà, ici c'est... Ah, ce sont des monts, hein. Il y a quand même le terme mont, mais pas le terme montagne. Voilà, exactement. Du côté de la Flandre. Ça se monte grand plateau ici, hein, là, pour rentrer sur Marchand Famenne, direction Waha, sur les hauteurs de Marche. Et finalement, deux coureurs viennent accompagner. Ce sont ceux qui se sont montrés le plus en évidence dans la dernière difficulté pour accompagner Kenny Molly. Et ça semble compliqué pour David Boucher. Oui, voilà, ici, donc les trois hommes de tête ne vont plus se soucier des deux autres hommes. On voit que ça remonte ici sur la grande route avant de replonger sur la gauche dans la partie technique, comme on expliquait tout à l'heure.
Donc voilà, comme ça vous découvrez le circuit en entier. Ici, donc les trois hommes sont partis pour encore, à mon avis, un ou deux tours. Mais comme on disait, le peloton contrôle à l'arrière. Oui, il n'est pas question de les laisser aller jusqu'au bout hein, pour le peloton, évidemment. L'échappée matinale sont partis très tôt hein, dans cette épreuve. Ils ont eu l'occasion de découvrir la Famenne et l'Ardenne, une région tant convoitée par nos amis néerlandophones. J'étais il n'y a pas longtemps à une épreuve, un raid. Il y avait plus de 1000 participants aussi pour un trail, mais presque en majorité des néerlandophones. Donc c'est une région qui nous est convoité, et c'est tant mieux pour le tourisme chez nous. C'est aussi ça l'avantage d'une course cycliste, le retour d'une course cycliste aussi professionnelle sur nos terres hein, puisque on est tous les deux luxembourgeois. C'est l'avantage, c'est une carte de visite exceptionnelle pour le tourisme. On a beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir une région comme les Ardennes, et ce genre d'événement permet de mettre la région en avant. Donc c'est que du bonus. Ici, les coureurs rentrent dans le village juste avant la ligne d'arrivée. C'est Waha, donc le village de Waha, aux abords de Marche-en-Famenne. Et, ouais, le peloton monte sa tempo calmement. Ça ne sert à rien, comme on l'a dit, de rentrer trop tôt pour ce peloton. Voilà, surtout que maintenant les coureurs sont au courant que l'échappée matinale est de nouveau divisée. Donc, avec trois hommes en tête, ils vont encore moins s'inquiéter. Donc là, on voit qu'ils ont réduit l'allure, histoire de maintenir l'écart sur trois hommes, et ils n'auront pas trop de difficultés à rentrer dessus. Alors les trois coureurs de tête, les voici. À gauche de l'écran, c'est Kenny Molly, le meilleur grimpeur de cette épreuve, celui qui a empoché le maximum de points dans les GPM. On a le coureur de la formation de l'Armée de Terre, Jérôme Ménard, et puis Lander Senaf, c'est le coureur de la formation française de Roubaix. Lille Métropole, trois coureurs de tête. Ils étaient 6 au départ pour cette échappée matinale, puis 5 en tête avec Koistra qui avait lâché finalement du groupe de tête. Et maintenant, ils ne sont plus que 3. Ça s'effile au fil des kilomètres. Ils vont pouvoir bientôt découvrir Marche-en-Famenne et un premier passage sur la ligne d'arrivée ici à l'avenue de la Toison d'Or. L'avenue de la Toison d'Or qui a un passé hein, finalement cycliste. Je vais poser la question, Gaëtan, mais je crois qu'on en a même parlé avant, donc vous allez pouvoir me répondre. Mais le dernier coureur à s'être imposé ici, avenue de la Toison d'Or, était un coureur australien, Gaëtan. Exactement, c'est Robbie McEwen, connu de tous. Maillot vert, hein, de nombreuses reprises au Tour de France. Il s'était imposé en 2001 lors d'une étape du Tour de la région wallonne, et je pense que Marche-en-Famenne n'a plus connu d'arrivée de course professionnelle depuis lors. Donc, ah, c'est quand même quelque chose de succéder finalement au nom de, même si ce n'est pas la même épreuve, de succéder à Robbie McEwen sur cette arrivée ici, avenue de la Toison d'Or à Marche-en-Famenne. C'est sûr que Robbie a vraiment marqué le cyclisme, parce qu'il a plus que 100 victoires, ça j'en suis sûr. Ensuite, Marche n'a plus accueilli d'arrivée de course cycliste, mais Marche a vraiment eu la chance d'accueillir le départ de la Flèche Wallonne il y a 2 ans d'ici. Donc ça, c'était vraiment un grand événement. Et on l'a vu, hein, ce virage à gauche, il va falloir être prudent. Kenny Molly est sorti très large, petit avertissement pour lui, mais ça va être aussi intéressant de voir le peloton hein, dans ce virage. Voici le premier passage de la ligne d'arrivée à Marche-en-Famenne, où on le voit, il y a pas mal de monde pour suivre cette course. Vous êtes pas mal non plus derrière votre écran hein, à nous suivre en direct sur le site web de TVLux. Voici les coureurs au passage de la ligne d'arrivée. David Boucher, qui n'a pas dit son dernier mot, il va rentrer finalement sur les trois leaders. David Boucher, il est vraiment inusable. C'est super pour les jeunes de voir un coureur comme David Boucher, parce qu'il ne lâche jamais l'affaire. On parlait de motivation. C'est vraiment hein. Voilà, une preuve de caractère, et ce qu'il réalise là en fin de saison, c'est vraiment super pour nous téléspectateurs de regarder ça. Ah, il s'arrache hein, pour revenir, alors que je vais dire que c'est une cause perdue hein, de rentrer. C'est pas pour autant qu'il vise la victoire en rentrant, mais il s'arrache finalement pour revenir sur l'échappée matinale. C'est quand même assez exceptionnel. Quelle force de caractère en tout cas. Voilà, c'est sûr que pour lui, je pense que le prochain passage de la côte de Charneux va être difficile, mais voilà, il aura parcouru quelques kilomètres en plus avec l'échappée du coup. Et
ce sera vraiment bénéfique pour lui. Alors qu'ici, on voit que le coureur de Differdange lâche prise, par contre. Compliqué pour Maxime Rusnak. Et alors ici, les coureurs, après la ligne d'arrivée, vont arriver sur une portion plus propice à un peloton, puisque c'est une portion plus large. Donc là, ça monte encore un tout petit peu. Et puis, ils vont retrouver une grosse chaussée. Mais voilà le peloton qui passe justement le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Et ils avaient repéré, on a l'impression, ce passage compliqué. Et ça se passe bien pour le peloton. Christophe Prémont qui donne ses derniers coups de pédale. Le coureur Brabançon Wallon, Roderick Sansard, Braine-le-Comte même, je pense. Braine-le-Comte, c'est le Hainaut. Coureur de Braine-l'Alleud, Christophe Prémont. On peut voir que le virage étire justement ce peloton. Puisque c'est pour les derniers, je ne vais pas dire que c'est dur, mais c'est un peu plus tendu. Alors, en ce qui concerne le virage, ben, le peloton n'a pas pris de risque, puisqu'il n'y a pas le feu. Allez, avec 1 minute 30, c'est largement suffisant. Ils peuvent se permettre de repérer un petit peu ce premier tour. Maintenant, tout le monde le connaît, ça va pouvoir faire la guerre, comme on dit. Ben, le scénario, comme il est là, il plaide vraiment la faveur des favoris. Hein. On est à 64 km de l'arrivée. On va dire environ encore 1h30 de course, plus ou moins. Là, je veux dire, personne n'a encore dû faire quoi que ce soit en termes d'efforts, d'efforts pour les favoris. Ils sont bien au chaud, bien calfeutrés dans le peloton, parce que devant, finalement, ces coureurs font la course et ces coureurs ont formé l'échappée matinale. Il n'y a pas vraiment eu d'à-coup dans ce peloton. Voilà, les leaders ont pu garder vraiment toute leur énergie pour les deux derniers tours. Donc c'est vraiment positif pour l'organisateur, puisque je pense qu'un beau vainqueur va sortir de ça grâce à ce scénario. On entame le premier des trois circuits locaux. Il y avait quatre passages dans la côte de Charneux, parce que les coureurs ont parcouru la fin du circuit local pour revenir sur marche. Et là, donc, il reste 3 fois 22 km à parcourir. Donc le compte est presque bon. Il reste un peu moins de 66 km pour ces coureurs. Voici donc les échappés et le peloton. Toujours un rythme assez relax, hein, même si je ne voudrais pas être dans le peloton. Je pense que je n'arriverai plus à suivre ce rythme-là. C'est peut-être pas le cas pour vous, Gaëtan, mais on va dire que les favoris passent une journée pour l'instant plutôt tranquille. Alors que le coureur de la formation Differdange, Maxime Rusnak, c'en est fini pour lui, repris par le peloton. Finalement, il aura passé quand même près de 120 km devant. Voilà, mais là, c'était encore des challenges comme ça, et c'est ce qui pimente un petit peu le quotidien, même si c'est un petit peu fou. Mais Christophe est aussi un peu comme ça dans des trucs un petit peu surréalistes. D'ailleurs, ici, il m'a parlé il n'y a pas longtemps de faire du record du Tour du Monde. Donc, c'est ça qu'on s'est renseigné pour faire le Tour du Monde le plus vite possible. Mais là, dans le livre des records, c'est plus ou moins 400 km par jour pendant 80 jours. Donc, c'est quand même pas rien. Et voilà, Christophe a fait aussi, je pense, 300 km cette saison. Donc, ça, c'est vraiment des challenges qu'il affectionne. On a en vue là Maxime Montfort, et voilà, il pointe dans ça, c'est Van der Sande, mais je pense qu'en quatrième position c'est Rémi Merz, l'Arlonnais. Justement, l'Arlonnais, on l'a rencontré avant cette épreuve. On va pouvoir l'écouter ici, Rémi Merz, le coureur arlonnais qui a certainement envie de bien faire sur cette terre, le coureur de la formation Lotto. Nous sommes avec Rémi Merz, coureur de l'équipe Lotto Soudal. Rémi, pour un coureur originaire de la province du Luxembourg, une course ici dans la province, c'est forcément quelque chose de spécial. Bah, d'office, oui. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a plus de course 100% province du Luxembourg professionnelle déjà dans la province. Bon, c'est l'une des premières. J'ai eu l'occasion de rouler en Wallonie, mais 100% sur le territoire luxembourgeois, c'est quand même assez rare. Avec derrière une organisation et des gens que tu connais bien, puisque tu t'es passé par le club de Libramont-Chevigny. Oui, c'est ça. C'est quand même assez grandiose. Je viens du club formateur qui organise l'épreuve ici. Donc je pense que pour Laurent Mars, c'est une concrétisation aussi. Donc non, c'est chouette. À titre personnel, quelles seront tes ambitions aujourd'hui? Bah, déjà, l'ambition de l'équipe, c'est de faire la course, de pas avoir une course, avoir une course de mouvement déjà. Et de gagner la course avec l'équipe. La Vuelta est digérée, ça y est? Oui, bon, j'ai eu l'occasion de rouler ici
mardi dernier en Allemagne à Münsterland et ça s'est pas mal passé. Donc la Vuelta est digérée, oui et non, mais maintenant ça se joue au mental. Hein. Voilà, nous voilà de retour sur cette Famène Ardennes classique après cette courte pause publicitaire. Merci à vous de nous suivre sur le site web de TV Lux. Toujours cette échappée avec Molly Ménard. Ménard qui est un homme en forme finalement dans cette formation de l'armée de terre. Oui, il vient de faire quatrième de Binge, Chimay Binge. Donc pour un coureur d'équipe continentale, c'est vraiment une grosse référence. On a vu durant le mois de septembre qu'il a pu aussi faire 7e du Grand Prix des Marbiers, donc qui est vraiment une course très dure au niveau point 2. Et 11e du Tour de Doubs avec les professionnels. Donc c'est vraiment l'homme en forme. Et ici, il est dans l'échappée. Mais étonnant finalement de le voir dans l'échappée. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui aurait pu prétendre à une belle place sur ce genre de parcours, car il semble être du type puncher. Et ça aurait été, j'aurais été curieux de le voir justement dans le peloton des favoris et voir jusqu'où il aurait pu aller. Ouais, donc se retrouver dans l'échappée, c'est peut-être griller ses chances. Maintenant, il avait peut-être pas les jambes des grands jours, je ne sais pas. C'est quand même curieux de voir Jérôme Ménard devant quand on voit qu'il termine quatrième de Binge, Chimay Binge. Ouais. Est-ce que ce sont les consignes aussi de sa formation? C'est particulier quand même. Hein, justement, ça dépend un petit peu des circonstances des derniers jours. Peut-être qu'il a été malade justement après Binge parce que c'est une période où il fait vraiment froid et le corps est fragilisé avec toute la saison. Donc les coureurs sont sensibles, il y a beaucoup de malades en ce moment. Donc voilà, on ne connaît pas. Mais ensuite, de la part des dirigeants, il faut voir un petit peu les attentes qu'ils avaient du coureur. Mais justement, je pense que c'est les dirigeants qui devraient pousser ce genre de coureur à rester bien au chaud dans le peloton, se dévoiler sur la fin et ainsi avoir une plus grosse confiance en lui. Lander Senna a rendu les armes, hein. C'est fini, là où les pourcentages se font le plus se ressentir. Et David Boucher, donc il ne reste plus que Kenny Molly qui fait une très très belle épreuve et l'homme en forme de cette formation de l'armée de terre, Jérôme Ménard. Attention, hein, on ne va pas critiquer le fait évidemment que ces coureurs font la course devant, c'est pas passer à côté de sa course hein, que de participer à l'échappée matinale, c'est aussi finalement ça fait partie du vélo, mais quand on est en forme, c'est ça qui est un peu curieux, généralement on va pas se glisser dans l'échappée, on attend le final pour se montrer. Donc voilà, on a quelques points d'interrogation sur Jérôme Ménard qui aurait peut-être pu prétendre à jouer quelque chose dans le final, mais on le retrouve quand même là devant et c'est pas mal, hein, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire là, Kenny Molly et Jérôme Ménard. Oui, pour une équipe, l'équipe Aquaservice, c'est vraiment tout du bonus puisqu'ils font un direct télé, donc c'est une jeune équipe wallonne. En parlant d'équipe wallonne, il y a aussi Wallonie-Bruxelles, Aquaprotect, qui eux peuvent prétendre à une bonne place aujourd'hui, à un bon classement. Avec notamment Maxime Van Thom ou un autre Kevinista qui a vraiment une très bonne pointe de vitesse et qui passe bien ce genre de côte. On parlait de Gordon De Witter tout à l'heure, mais il y a aussi Ludwig qui aurait dû être au départ de cette course. Malheureusement, il y a 15 jours, il s'est cassé la côte et c'est très dommage pour lui parce que c'était quelqu'un qui venait en forme. Il venait de remporter la kermesse de Herpemer. Il y avait Binge, Chimay Binge, donc c'est vraiment sa course, voilà, son championnat du monde et il avait à cœur d'y briller, mais voilà, les aléas de la route ont choisi autrement. Ouais, Gordon De Winter, le petit frère de Ludwig. Et figurez-vous que le papa de Winter est dans la course, dans une des voitures pour suivre cette épreuve. Ah ben, il est évidemment attaché au club de Libramont où est passé Gordon et Ludwig. D'où la relation avec l'organisateur et sa présence aujourd'hui. Sur cette épreuve, Kenny Molly, Jérôme Ménard font l'actualité finalement dans cette course. Très très bon comportement du jeune Kenny et Molly. Et Jérôme Ménard, comme on l'a dit, c'est un coureur en forme. Il se retrouve là, c'est assez curieux de le voir dans l'échappée matinale. Mais bon, voilà, hein, il est maître de son comportement en course et c'est comme ça qu'il a voulu certainement rouler aujourd'hui. Et c'est sa façon de se montrer. Il va falloir aussi le suivre peut-être dans les prochains jours s'il a encore une course ou l'autre au calendrier de sa saison parce que la saison touche presque à sa fin. Ici on peut voir que Kenny grimace un petit peu mais
On voit bien que son stage avec l'équipe Fortuné-Oscar lui a vraiment fait du bien parce que comme ça, en fin de course, en dernière partie de course, pouvoir encore bien tourner les jambes comme ça et son comportement dans les côtes est vraiment bien. Donc on peut voir qu'il a passé un cap et ce sera vraiment tout bénéfice pour l'année prochaine. Ouais, autant dire que ça doit faire mal aux jambes hein, après tout ce long parcours en ligne. Sur un parcours très vallonné, les coureurs sont passés par la côte de Dochamp, puis Nizramont, puis direction Saint-Hubert, le fourneau Saint-Michel qu'ils ont descendu, alors que ça a réagi dans le peloton. Et là, c'est peut-être le moment choisi par certains pour mettre le nez à la fenêtre. Voilà, des coureurs en forme comme Dimitri Payskens de Wallonie-Bruxelles attaque. Donc là, on dirait qu'un groupe de 5-6 coureurs se distingue. Et donc, ce ne sont pas encore les grands leaders qui peuvent remporter la course, mais ce sont les deuxièmes, les co-leaders, ceux qui peuvent dynamiter justement ce final et désorganiser un petit peu le peloton. Un rôle bien précis, hein. Ils ont choisi le moment. Un directeur sportif aujourd'hui, je ne vais pas dire que son rôle est facile, mais c'est assez prévisible comme course, hein, comme parcours, avec finalement cette grosse difficulté sur le circuit local. Peut-être que l'avenir nous dira le contraire, mais je pense que c'est là que ça va se dessiner, hein, Gaëtan. Oui, ben, ça dépend un petit peu des circonstances de course ici. Donc les directeurs sportifs ont un peu la chance qu'une petite échappée est partie, mais pour le même prix, c'était 10-15 coureurs. Alors qu'ici, on voit que Rampot veut aussi mettre son c'est à la première fenêtre. Fois qu'on voit apparaître la formation néerlandaise. Avec déjà Pim Ligtart qui est vraiment un bon coureur. Et tout, c'est vraiment toute la formation qui se met. Très étiré là, le peloton. Voilà, là, c'est vraiment. On peut voir que le vent vient de droite, que ça fait mal. Et Sébastien Delfosse semble vraiment à l'aise. Sébastien Delfosse qui avait remporté la Drôme Classique cette année. Début de saison. Hein. Voilà, c'est ça. C'était juste avant le mois de mars. On l'a vu un petit peu moins en forme durant la saison, mais il revient bien ici. Donc c'est quelqu'un qui apprécie vraiment le mauvais temps. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est du mauvais temps, mais c'est sûr que les températures ne sont pas élevées. Et c'est un coureur qui presse vraiment bien dans des conditions climatiques difficiles. Je pense que les organisateurs ne pouvaient pas rêver mieux comme météo à cette période-ci de l'année. On rappelle quand même qu'on est presque à la mi-octobre, en Famène et en Ardennes à la mi-octobre. Attention, le peloton est déjà tout proche. On a vu une simple accélération et c'est déjà presque fini pour l'échapper. Hein. Oui, on voit que ça a cassé ici. Donc on dirait qu'une trentaine de coureurs se sont détachés. Très étiré en tous les cas là, au niveau du peloton. Voilà, on n'a pas une très très bonne vue. Donc c'est difficile à dire, mais on saura un petit peu plus quand on fera le bilan après la descente, puisque la descente aussi va étirer tout ça. Donc ici, pour l'échapper, c'est terminé. L'écart GPS annonce 50 secondes, mais je pense que c'est même un petit peu moins. Donc ils vont se faire avaler c'est par la première beaucoup moins, je pense. Voilà. Gaëtan, ils vont déjà être dans le virage là derrière. Donc, et les voitures remontent. Donc voilà. Le peloton a vraiment accéléré dans cette côte, dans cette difficulté qui est le point stratégique. Et c'est le coureur Van Rieneken Sjord de chez Rompot qui est passé en tête au niveau du peloton derrière. Et oui, il y a quelques coureurs là qui sont partis. Oui, ça réagit vraiment. C'est, hein. C'est vraiment le groupe de 20-30 coureurs. Maintenant, on va voir comment ils vont s'entendre. On voit que voilà, les deux hommes en forme de chez Wantis sont là. Donc Guillaume Martin qui est vraiment à l'aise. Quand vous vous retournez comme ça derrière pour regarder où ça en est, c'est que vous vous sentez vraiment très très fort. Il y a aussi Xandro Meurice derrière qui a fait deuxième du tour de Luxembourg derrière Van Avermaet. Donc c'est vraiment un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse. On va un petit peu voir comment le premier groupe se comporte. Mais voilà, Guillaume En remet un coup. Hein. Voilà, c'est ça. Et on voit Guillaume qui n'attend qu'une chose, c'est que la course se durcisse. Donc si un homme seul doit arriver aujourd'hui, je pense que ce sera lui. Ouais, ça a vraiment accéléré très très fort là à 50 km de l'arrivée. Et ça va être terminé pour les deux baroudeurs qui ont fait partie de cette échappée matinale. Ils étaient 6 au départ dans cette échappée matinale. Il n'en reste plus que deux. Finalement, les deux coureurs les plus frais de cette échappée, ceux qui avaient encore un peu de jus. Et belle prestation du jeune Kenny Molly et belle prestation aussi pour Jérôme Ménard, le coureur de la formation de l'Armée de Terre. Bah derrière, ça, voilà, ça se calme un peu ou c'est Rompot qui prend vraiment les choses en main? Donc
pour les deux, en ce qui concerne les deux hommes de tête, ici, ils savent que les dés sont jetés. Donc c'est l'occasion, comme c'est une descente, de récupérer un maximum, de reprendre un petit dernier gel énergétique, histoire de savoir accrocher le groupe qui arrive, car Rampot a vraiment mis un très gros coup de vis, comme on dit, donc un gros tempo. Et on peut voir que l'équipe Lotto a reculé un tout petit peu. On ne les voit plus à l'écran, mais je suppose que les leaders sont bien protégés. Et c'est plus Rampot et l'équipe Wanty qui se placent à l'avant du peloton. De toute façon, je pense que c'est un signe qui ne trompe pas. Vous êtes dans ce groupe, c'est que vous êtes en forme et vous allez jouer la gang. Si vous n'êtes pas dans ce groupe, il y a un gros problème. Oui, voilà, maintenant, certains bons coureurs ont pu être surpris parce qu'on s'attendait plus à une attaque dans le dernier tour, voire l'avant-dernier tour. Et ici, Rampot a un petit peu surpris tout son monde. Donc un coureur mal placé dans la côte a dû faire sûrement un gros effort. Et c'est peut-être pas encore fini pour eux, mais c'est sûr que on peut dire que le vainqueur se trouve dans le groupe de 20-30. Maintenant, à voir un petit peu avec la descente si une partie du peloton ne se regroupe pas. Être mal placé à 50 km de l'arrivée lorsqu'on sait qu'on arrive dans la seule difficulté du circuit local, c'est peut-être pas bon signe non plus, Gaëtan. Voilà, maintenant il y a des coureurs qui sont très très forts mais qui ont justement un petit peu cette peur de se placer, donc c'est plus à ces coureurs-là que je m'adressais. Et comme au contraire, il y a des coureurs qui savent très bien se placer, donc être dans les premiers au virage au début de la côte, mais qui ne sont pas forts suffisamment, mais qui savent quand même accrocher, donc on va voir un petit peu les caractéristiques de chacun. Oui, Rampot qui n'est pas venu avec une demi-équipe pour cette épreuve. Ils alignent quand même des coureurs très intéressants pour cette course, avec, je pense, l'ambition de venir faire quelque chose sur cette Famen Ardennes classique. Alors, on le voit, je crois qu'il y a quoi, on dirait une trentaine de coureurs là dans ce groupe. Oui, c'est ce qui semble se détacher. Voilà ici le dernier virage avant de revenir sur la route principale. Donc on aura un meilleur aperçu à ce moment-ci de la course. Et pour revenir à Rampot, c'est sûr qu'ils ont coureurs qui emmènent. Voilà, chez c'est ça. Donc c'est vraiment la formation en forme. D'ailleurs ici, comptant en serrant Van der Horn qui vient de remporter Skalsels devant Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel. Donc ça prouve vraiment que c'est le genre de coureur qui peut s'imposer en groupe comme ça au sprint. Taco Van der Horn, on le note, c'est le dossard 48. Il va falloir certainement avoir un œil avisé sur ce coureur de la formation néerlandaise Rampot, qui est finalement la première formation à jouer carte sur table. Voilà, et à continuer. Donc ils ont attaqué, ils ont surpris un petit peu tout leur monde, mais ils continuent à assumer cette attaque puisqu'ils imposent un bon tempo. Donc voilà, ça c'est vraiment la preuve que derrière ça ne va plus rentrer. On voit que l'Auto-Soudal s'est remis un petit peu en retrait. On aperçoit aussi Updoyne de chez Veranda Willems. Là, les choses sérieuses commencent. Il y a aussi Dries De Bon qui a une très bonne pointe de vitesse pour Veranda Willems. Et voilà, Dries De Bon qui est, à mon avis, un amoureux de la région. Il s'est imposé sur l'Ardennes Challenge du côté d'Hérezé, entre autres. Donc, il aime particulièrement cette région, ou plutôt, il l'apprécie. En tous les cas, c'est une région qui lui convient parfaitement, le coureur de chez Veranda Willems. Et Wanty n'hésite pas non plus, hein, ils viennent prêter main forte à la formation Rampot. Et Fabien Doubec qui fait ici le travail, Xandro Meurice peut-être. Donc là ça voudrait dire qu'il n'est pas très en forme et qu'il préfère se sacrifier pour Guillaume Martin, voilà, qu'on le voit justement à sa droite. Quel leader désigné hein, dans cette formation. Je suppose, voilà, on voit aussi Thomas Degand là un peu plus loin. Mais voilà, Guillaume se place en deuxième position, il est peut-être un peu trop fougueux puisque... Allez, je ne connais pas les consignes au sein de Wanty Group Gobert, mais il est fort bien, fort à l'avant. Fort exposé. Voilà, exactement. Et il y a aussi Frédéric Bacquart qui fait une saison exceptionnelle pour lui, puisque on l'a déjà vu depuis le Newsblad, il fait 11e, ensuite 6 d'étape aux 3 jours de la panne. Il fait 3e d'étape au Critérium du Dauphiné Libéré. Encore un coureur qui a fait le Tour de France et qui se distingue encore aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est capable de rouler fort toute la saison. Et Wanty a gros à jouer hein, aujourd'hui. Il y a cette course, mais il y a aussi le classement Europe Tour. En cas de victoire aujourd'hui, Gaëtan, c'est première place pour la formation Wanty. Voilà, exactement. Donc il y a 2-3 semaines d'ici, Wanty se positionnait à la 6e position. Donc c'est le classement Europe Tour au sein des équipes. Et maintenant, grâce à leur super fin de saison, donc notamment en Italie où ils ont remporté beaucoup de courses, ils se replacent deuxième. Et à quelques points seulement de Cofidis. Donc je pense qu'aujourd'hui
le fait d'intégrer, d'avoir quelques coureurs qui intègrent le top 25 ferait que l'équipe Wanty Group Gobert gagnerait ce classement, passerait en première position, donc peut-être pas encore gagné, tout comme l'année passée ils l'ont fait. Alors ici on voit que Thomas De Gant imprime un bon tempo, Maxime Montfort s'est replacé, donc là voilà il remonte là. La petite tape amicale entre les deux fouillards. Chouette image. Voilà, et... vraiment du fair play. Donc on souffre ensemble, mais quand c'est fini, ben, on se félicite. Donc voilà, ici Thomas De Gant imprime un bon tempo. On voit déjà Maxime Montfort qui. Ah, mais qui voilà Maxime. Position. Ils voilà. sont 35, Gaëtan. 35 coureurs dans ce premier groupe. Le reste de la meute n'est pas très loin, mais ça y va hein, devant. Ça ne chôme pas. On le voit au visage. Les visages sont beaucoup plus fermés. Qu'il y ait on va dire un quart d'heure hein, ça s'est sérieusement mis en route aux avant-postes la formation Rompot comme on l'a dit joue carte sur table a en tous les cas montré ses intentions et ses envies de faire quelque chose sur cette épreuve. 35 coureurs c'est beaucoup, mais donc je pense que derrière ça va être terminé puisque bon, les 35 c'est vraiment que devant que les choses se passent pardon. Donc ici c'est Thomas De Gant qui Thomas va faire la descente. Hein. Voilà, là Maxime ne prend pas de relais, donc on voit vraiment qu'il est là pour jouer un résultat, pas pour faire l'équipier, ce qui est tout à fait normal au sein de l'Auto Soudal de jouer cette carte-là. C'est important ce que vous venez de dire. Donc Maxime Montfort a sa carte aujourd'hui à jouer. Ce serait vraiment logique de la part des dirigeants de l'auto. Il a le dossard numéro 1, donc c'est toujours une petite motivation supplémentaire. C'est le régional de l'étape. C'est la première fois. Toute la famille est là, on l'a vu voilà, tout à l'heure. Voilà, exactement. Le fan club est bien présent. Ici, ça va un petit peu temporiser. Donc ils ont vraiment eu très dur dans la côte et dans la partie après. Ah, il faut souffler, là, on le voilà. sent. L'effort était intense. Et voici donc la vue de derrière hein, de ce groupe de 35 coureurs aux avant-postes. Bah, à moins d'une énorme surprise, le vainqueur il est là. Hein. Oui, surtout que Wanty Group Gobert a vraiment pris les rênes en main. Donc c'est pas comme si allez, le groupe s'arrêtait et se regardait. Ici on voit vraiment que c'est une équipe qui veut venir pour faire un résultat. Et ils ne cachent pas leur ambition. Mais maintenant donc, les coureurs vont repasser. Une avant-dernière fois, si je ne me trompe, la ligne d'arrivée. Ils auront le temps de récupérer. Fait, ouais. Donc c'est vraiment Thomas De Gant qui se sacrifie. Et voilà, Guillaume Martin toujours bien derrière. Pas de relais de Maxime Montfort. Non, donc Maxime... Bah, du côté de l'auto, on laisse les affaires aux autres. Hein. Voilà, exactement. Puisque ici, on peut voir en quatrième position qu'il y a Moreno Flan. Donc il a très très bien passé la côte. Et normalement, en cas de sprint, c'est vraiment lui qui peut s'imposer. Donc je pense que Maxime va rester assez calme tant que Moreno est avec. Hey Moreno Flandt, Gaëtan, c'est pas un inconnu de la province de Luxembourg. Il s'est déjà imposé chez les débutants et je pense aussi chez les juniors à la course de côte d'Herbemont. Donc vous me dites c'est un sprinter, bon chez les jeunes, il se distinguait aussi sur des parcours beaucoup plus accidentés. Évidemment chez les jeunes, qu'on est fort, on est fort partout. Hein. Oui. Mais Moreno Flandt s'est déjà imposé du côté d'Herbemont, course de côte aussi organisée par la formation Vernda Williams, c'est Chevigny. On se dirige, je vais pas dire tout droit, parce qu'il y a un virage, mais vers la ligne d'arrivée pour ce groupe de tête. Il restera deux circuits locaux à parcourir. On est à 46 km de l'arrivée pour ces coureurs. Voilà, donc toujours le virage assez dangereux, on va dire. Mais voilà, maintenant, bien les coureurs ont déjà fait. Et là, on aura un bel aperçu un petit peu des coureurs. Donc toujours Thomas De Gant qui se mappe l'avant. Donc il a mis ses ambitions personnelles de côté. Donc ça veut dire qu'il ne se sent pas au mieux pour remporter cette course. Mais voilà, il fait le travail d'équipier. Comme je disais tout à l'heure, ces dernières semaines, après le Tour de France d'ailleurs, Guillaume Martin a pris une autre dimension. Christophe Prémont derrière, non, qui emmène pour tenter de ramener... Non, ça c'est Stijn De Volder. Stijn De Volder, c'est du costaud hein, pour tenter de ramener. Vous voyez, l'écart n'est pas très important, donc c'est pas forcément fini pour ces coureurs. Voilà, donc il y a Top Sport aussi, Van der Run, qui a dû sûrement être piégé. Et derrière, c'est Marco Binard de Wanty Group Gobert qui contrôle un petit peu pour justement, lui n'a pas d'intérêt
à ce que le groupe rentre. Mais on voit, voilà, on voit que c'est dur pour Kenny qui sportivement donne la main pour boucher le trou et voilà pour ses coureurs. Sylvain Moniquet ici à l'image qui est en difficulté. Ah, il est un petit peu piégé Sylvain, mais ils essayent de rentrer comme ils peuvent. Mais... Ah, ce sont des épreuves très compliquées, hein, des courses 1.1 pour Sylvain qui est en première année aussi, rappelons-le, chez les Espoirs, il aura encore quelques années pour éclore. Mais voilà, c'est compliqué. On a vu passer les coureurs puisque nous sommes du côté de la ligne d'arrivée pour vous commenter cette épreuve. Je peux vous assurer que ça s'est passé très vite. Pas mal de force hein, dans les pédales là, pour le passage ici à la ligne d'arrivée, avenue de la Toison d'Or, à Marchamps-Famenne. On est en direct pour cette épreuve, pour ce final. Il reste 43 km et une crevaison dans le chef de ce coureur sur la ligne d'arrivée. Malheureusement pour lui, ça va être très compliqué de rentrer. Il a vraiment eu ce souci au mauvais moment. Vous parlez de tout à l'heure de Sylvain Moniquet, donc un espoir première année, donc c'est vrai que participer à ce genre d'épreuve, ils doivent déjà vraiment prendre ça comme une très bonne expérience. Ensuite, le résultat doit être secondaire car ils font face à des coureurs confirmés. En parlant d'espoir première année, il y a aussi un autre provincial, on peut dire ça comme ça. C'est Arthur Beau donc, qui dispute aujourd'hui. Mortean, hein, près de Redemont. Voilà, exactement. Donc Arthur a vraiment bien négocié cette première saison. Voilà, exactement, puisqu'il a fini très fort la saison avec une 14e place à l'Eurométropole. Donc c'est vraiment c'est quand même surprenant quand en Espoir 1, vous savez arriver avec les premiers, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc il y a quelque chose à exploiter. Et je sais, puisqu'en ayant discuté avec son papa ce matin, qui va rentrer à l'université, donc on peut dire que c'est la tête et les jambes. Et pour lui, ça va être une nouveauté aussi de devoir gérer l'université et le sport de haut niveau. Hey, c'est toujours compliqué hein, ça dans le sport cycliste, dans tous les sports aussi. Hein. À partir du moment où il y a évidemment un projet de carrière dans le cyclisme et à côté aussi forcément un projet de carrière et un projet universitaire, il faut faire des choix. Pour le moment, c'est très compliqué hein, d'allier les deux, même si certains l'ont fait. Mais bon, c'est toujours un choix compliqué lorsqu'on a quelques ambitions dans le cyclisme. C'est normal aussi hein, de vouloir aller vers les études. Et de toute façon, c'est un bon choix, quoi qu'on fasse. Et on souhaite bonne chance à Arthur. Je suis sûr va essayer de donner le meilleur de soi-même sur cette épreuve. Ici, on peut voir que c'est Sander Armé qui prend les rênes du peloton, donc l'auto prend ses responsabilités. Voilà, donc Maxime, vraiment, c'est bien la preuve qu'il est protégé, puisque c'est Sander Armé qui roule seul. Voilà, donc ici... Ça va rentrer. Hein. Voilà, personne pour surveiller. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, l'équipe ne sait pas prendre la course seule en main et le groupe est rentré. Mais forcément, c'est pas tout le peloton. Donc je pense que c'est de nouveau chez Wanty Group Gobert qu'on va reprendre ses responsabilités avec Marco Minard qui est rentré et Thomas Degant toujours qui fait un super boulot. Frédéric Bacquart ici sur la droite qui se replace et qui semble être au mieux. Ouais, on prend la direction de la côte de Charneux et là, à mon avis, ça va être déterminant hein, ce passage-ci. Après un effort comme celui-là, je pense que les meilleurs vont montrer le bout de leur guidon et tenter de faire la différence dans la prochaine difficulté. Wanty est bien présent dans ce groupe, la formation Rompot aussi. On a vu Maxime Montfort et l'équipe Lotto, le voici à l'image, Maxime en troisième position. Il est bien mis, Maxime. En tous les cas, on a l'impression que c'est la tête des bons jours. Voilà, exactement. Il est très motivé. Je disais justement ce matin dans la DH qui disait que le corps n'est plus à 100%, mais la tête y est. Donc ça, c'est tout à fait normal comme réaction quand il y a un événement comme ça dans sa province. Maxime a malheureusement pas su terminer la Vuelta à cause d'un virus. Et voilà, en fin de saison, quand le corps est fatigué, plus les presque 3 semaines de course et un virus, croyez-moi, c'est pas l'idéal pour essayer de retrouver des bonnes sensations. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner dans cet avant-dernier passage. On va voir un petit peu comment se comporte le peloton. Et si Maxime sait être présent, on a pu voir que Wanty semble vraiment fort puisque Kevin Van Melsen aussi s'est replacé. Le coureur originaire d'Hambourg, ça va sûrement se remettre à la planche à ce moment-là pour les leaders. Oui, est-ce que ce final
convient à Maxime Montfort, c'est quand même pas le coureur le plus explosif dans le peloton. Il a des qualités de rouleur, ça, il n'a même plus besoin de le montrer, hein, ça c'est sa principale force. Est-ce qu'il a l'explosivité dans cette côte de Chardeux, dont les pourcentages sont assez élevés pour faire la différence? Il faut savoir que Maxime Montfort ces dernières années s'est vraiment concentré sur le programme World Tour, donc c'est les plus grosses courses et les plus dures du calendrier, donc, et a reçu vraiment un calendrier de courses à étapes, donc toujours destiné à faire le Giro et le Tour d'Espagne en passant par des épreuves comme le Tour de Romandie, Tirreno-Adriatico. Donc je pense c'est la Champions League, hein, pour que tout le monde comprenne, on est, si on doit c'est la division au exactement. Football, on a les meilleures équipes, les meilleurs coureurs sur ce type d'épreuve, on est avec le gratin du cyclisme. Hein. Voilà exactement, c'est la division, hein, c'est l'élite. Et alors une course comme aujourd'hui, par contre, c'est un cran en dessous, donc c'est au niveau 1.1, niveau Europe Tour. Et pour en revenir à Maxime Montfort, donc comme je disais, son corps a vraiment pris l'habitude de rouler sur un rythme du World Tour, donc qui est beaucoup plus contrôlé. Et sur plusieurs jours, tandis qu'aujourd'hui c'est une course d'une journée, donc déjà c'est un peu plus explosif puisque c'est que le corps doit être vraiment prêt le jour J. Et voilà, il fait face à des coureurs qui ont l'habitude d'être sur ce genre de course, donc ça dynamite beaucoup plus. D'ailleurs, on a vu ça bagarrait fort. Et Maxime se sent de plus en plus à l'aise avec la maturité sur les cols. Donc une côte de 2 km en effet un peu trop courte pour exprimer ses qualités. Face mais à le replat, je veux dire le faux plat qui suit, ça par contre, ça peut davantage lui convenir. S'il est devant, bien sûr, il peut embrayer et peut-être faire la différence là. Voilà, on peut imaginer un scénario où un groupe de 5-6 coureurs, dont Maxime, se détache et sur le dessus à ce moment-là partir. Et c'est rentré, hein, devant, on était 35 là, à mon avis, on doit compter près de 80 coureurs. Et la formation Lotto bien rassemblée aux avant-postes. On a l'occasion, on vient de parler, hein, de Maxime Montfort, Rémi Merckx aussi, je crois l'avoir vu là aux avant-postes du côté de la Lotto. Wanty et Rompot, ce sont vraiment les trois équipes qui se mettent le plus en évidence en tous les cas pour ce final. Oui, exact. Il y a la formation Wallonie-Bruxelles Aquaprotec qui est un petit peu plus en retrait. Mais l'auto, voilà, c'est vraiment bien rassemblé. On a pu apercevoir Rémi Merckx, mais aussi Yael Van Den Dert, pour voir un petit peu comment la condition est. Mais Yael est très à l'aise sur ce genre de parcours. C'est un puncher. Il a déjà fait deux fois deuxième de l'Amstel Gold Race, donc c'est pas rien. Et en voilà, effet, ce sera un homme à suivre. Hein. Oui, ce sera un homme à suivre sur ce genre de parcours. Et on passe une page de publicité. On se retrouve juste après. Voici de retour pour suivre le final. Il reste 35 km à parcourir. Merci de nous suivre sur le live, sur le site web de TV Lux. Vous êtes nombreux à nous suivre pour suivre ce final de la Famène Ardennes Classique. On va aborder une difficulté, la seule difficulté sur le circuit local dans quelques kilomètres. Et c'est là certainement que ça va se jouer. En tous les cas, il y a danger pour ceux qui n'ont pas les jambes là. On peut voir que Wanty Group Gobert reprend les rênes en main. Ils se sont bien repositionnés. D'ailleurs, c'est encore Breakdown qui refait encore un ils super boulot. Ils sont tous là, ils sont 8, il en manque ils pas. Semblent, non, ils semblent être tous là. Donc Breakdown, Thomas Degant et Kevin Van Velsen font le boulot,
font le boulot donc pour les leaders, donc, qui devraient être Frédéric Bacquart, Guillaume Martin, Hugues Andromeuris. Et Thomas Degant qui a participé à son premier Tour de France cette année. Belle aventure hein, de cette formation Wanty Group Gobert avec cette participation au Tour de France. On l'a dit, Gaëtan, il joue gros, hein, il joue la première place au classement Europe Tour et on sait l'importance que ça a lorsqu'on remporte ce classement. C'est aussi la possibilité de participer à des épreuves relevées la saison prochaine. Si on se base sur ce critère de la condition d'une équipe, de la force d'une équipe, ben, on regarde le classement et ben, figure en tête et ça. Exactement, ça joue. Hein, voilà, les organisateurs regardent beaucoup à ça et donc c'est un petit peu le cas l'année dernière vu qu'ils avaient remporté le classement et ben voilà, ESO leur a fait confiance et je pense qu'ils ont vraiment rempli. Ah, je pense qu'ils ont tapé dans l'œil en tous les cas. Voilà exactement, vraiment pas à l'offensive. Uniquement des organisateurs mais aux yeux de tout le monde, ils ont réussi un sacré Tour de France avec d'ailleurs Guillaume Martin qui s'est bien mis en évidence et puis la participation de ses coureurs aux échappées, c'était souvent dans le coup. Voilà, on peut vraiment dire qu'ils se sont bien comportés au plus grand bonheur des sponsors. Bon, forcément, on pense notamment à Benoît Sonnens qui est ici sur la ligne d'arrivée avec le patron pardon, de Wanty. Donc lui vit vraiment à 300% son rêve de gosse, donc d'avoir sa propre équipe. Et voilà, sur ce, allez, on peut, donc le manager est Jean-François Bourlard. Et sur cette lancée, la lancée de la publicité autour de France, ils ont ouvert un magasin, donc c'est la région de Tournai, si je ne me trompe, c'est le One to You. Donc ils surfent un petit peu sur cette vague. Donc ici, on voit les coureurs forcément qui prennent de nouveau la côte. Donc Wanty essaye de contrôler justement les attaques. On va voir un petit peu ce grand pot de dit. Ils sont bien placés. On va voir s'ils refont le coup du tour avant. Si durcissent et si on a droit à un spectacle. Élément à prendre en compte, la route elle n'est pas très large à cet endroit. Il faut être bien placé parce que si vous êtes au-delà de la 20e place, bah, vous n'avez pas trop de choix pour manœuvrer dans le peloton. Il vaut mieux rester calé dans les roues. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. On va être évidemment très concentré là, sur cette côte parce que je pense que ça va démarrer. Hein. Oui, ici, même Kevin si le tempo est très, très élevé là pour voilà justement, c'est le but est de faire un gros tempo pour limiter les attaques. On peut voir que Kevin Van Melsen fait vraiment bien ça. D'ailleurs Thomas Degant serre un petit peu les dents dans sa roue. Donc Kevin sort vraiment un tout gros boulot là. Kevin qui n'a vraiment pas eu de problème cette année, il a vraiment une bonne saison, une saison régulière, contrairement aux autres années où il avait toujours un petit peu des problèmes au genou, une opération par-ci par-là. Ici il est vraiment sur la bonne voie. Construit une belle carrière en fait, hein, Kevin Van Melsen, lui qui a été champion de Belgique chez les juniors lorsqu'il roulait au WC Ardennes. Mais voilà, hein, il est toujours dans le peloton et c'est un coureur qu'on finalement on parle peu vu qu'il a un rôle d'équipier. Mais il construit une belle carrière quand même. Hein. Oui, voilà, il a toujours été fidèle à Jean-François Bourlard, donc je pense qu'il a 8 ans de professionnalisme, toujours avec le même groupe, le même staff, le même management. Compliqué pour Rémi Mertz qui lâche là dans la côte de Charneux. Ouais, Rémi Mertz, moment compliqué pour l'Arlonnais ici, Dossard 4 pour la Lotto, le rythme imprimé par la Wanty Group Gobert a eu raison d'un des régionaux de cette étape, de cette course. Rémi Mertz contraint finalement de lâcher très ce groupe. Très très gros travail de Kevin Van Melsen. Ah, avec le vent de côté, on peut voir la difficulté pour les coureurs dans la roue. Et bah ça commence à être du homme contre homme à ce moment-là. Voilà. C'est dire le travail. On va rentrer dans Charneux, Gaëtan. Petite descente sur une trentaine de mètres. Voilà, ici la petite descente de 50 mètres, histoire de se lancer. Et je pense que pour Kevin Van Melsen, le travail s'arrête là. On va voir un petit peu. Comment il va digérer ça et maintenant voir un petit peu s'il va servir de rampe de lancement pour l'éventuelle attaque. Voilà, gros ici, les très gros pourcentages. Voilà. Ben voilà, on peut voir le panneau. Voilà, comme on avait prédit, c'est Thomas Degant qui. Ouais. Ah, et c'est très dur pour Maxime Monfort. On voit qu'il grimace là dans les roues. Donc. Le tempo est très élevé hein, dans ce peloton, ce qui reste du peloton. Oui, Maxime Monfort est en danseuse et on voit que c'est compliqué, mais il s'accroche, il est là. Van Endert aussi pour la Lotto. Thomas Degant donne tout. Hein. Il donne tout là, Thomas Degant, dans cette côte de Charneux.
C'est vraiment beau à voir ce que Quantique Rugobert est en train de réaliser, parce que c'est, tous les coureurs sont motivés et concernés pour, le classe, pour ce fameux classement UCI par équipe. Je pense que c'est fini pour Rista, hein, qui s'est un peu relevé, même s'il va basculer avec. Donc, non, c'était Sébastien Delfosse qui Delfosse, a filé. Oui. Ouais. Ensuite, Dimitri Payskin, ça très dur, mais il tient bon. Et j'ai vu un peu plus loin Maxime Vantom, voilà, qui a toujours un peu du mal avec justement le placement, mais qui est un coureur très fort et qui a une très bonne pointe de vitesse. On parle sûr, là, au-delà de la 20e place ou même de la 15e. Voilà, on parlait aussi de Tosh van der Sonde au début du direct. Il y a Yael Van Endert qu'on aperçoit. Donc, Tosh, c'est vraiment quelqu'un qui peut remporter ce genre de course et il semble être déjà très bien placé, mais le coup de pédale me semble bon. Rampaud qui a encore trois coureurs, donc vraiment formation très présente. Là, c'est compliqué, hein, voilà, on le voit, donc, très compliqué à cet endroit. Guillaume Martin décide de durcir maintenant la course, donc lui, c'est vraiment le plus fort du peloton en ce moment. Il ne faudrait pas qu'il soit trop fougueux parce qu'il reste encore un tour et sur ce genre de tracé, c'est long. Donc, Xandro Meurice se met à plat ventre pour lui. Ensuite, le coureur de Rampaud, je ne vois pas trop c'est qui. On va le voir dans quelques instants. Qui est le coureur de Rampaud? Ce serait intéressant de savoir, c'est évidemment le coureur Rampaud qui a l'air bien, hein, quand on voit le faciès du néerlandais. Il a l'air bien. Derrière, ça se bat, mais ça ne... On dirait que ça ne veut pas trop rentrer. Ça va laisser plus le groupe se rassembler un tout petit peu pour revenir sur ces trois hommes de tête. On est encore loin, hein, 30 km, voilà. C'est encore long, hein, comme effort. Pour ces trois coureurs, ils ne devraient pas faire l'erreur de vouloir partir. On va voir un petit peu comment ça se comporte derrière. On peut voir qu'il y a aussi Updoin, le coureur de la formation Véranda Willems-Crélan. Donc Guillaume Martin qui va faire la descente à fond, voir un petit peu jauger un petit peu justement les forces en présence et voir ce que ça donne. Une vingtaine de coureurs là pour cette première cassure, alors qu'on nous a annoncé que c'était Kenny Molly, hein, il n'y avait pas de doute là-dessus, qui a remporté le classement annexe, le classement de la montagne. Ici on peut voir que l'organisation n'est pas idéale, donc je pense que ça devient compliqué, être, hein, voilà, si vous êtes lâché là, c'est que vous êtes déjà à bloc de Gaëtan, non? Voilà, maintenant ici comme on voit bien le groupe qui est devant, donc c'est toujours motivant pour rentrer. C'est Martijn Budink, le coureur de la Rampaud. Et voilà, donc ici Xandro Meurice insiste vraiment bien, ils veulent créer l'écart, donc voilà, il se sacrifie vraiment pour Guillaume qui roule aussi, qui prend ses responsabilités. Donc ça prouve qu'il est en grande forme, qu'il n'a pas peur de faire les efforts longtemps à l'avance. Maintenant, il doit voir un petit peu comment ça se passe derrière. On voit cette image, c'est au sommet de la côte de Charnoux. On a bien mis la ligne finalement du GPM lorsque la route redescend. Hein, on n'a pas mis ça au-dessus du pourcentage très élevé. Ah, ça se dessine là petit à petit. Le final, on est dans le final. Hein. On est à 30 km de l'arrivée. Il restera encore un circuit local à parcourir. Et c'est un coup de poker que tente la formation au anti-group Gobert. Derrière, on a pu voir que c'est l'Autosoudal qui contrôle. Et je pense que c'est Maxime Montfort justement qui travaille. Ouais. Donc il a vu qu'il n'était pas au mieux dans son coup de pédale. Il n'était pas au mieux dans l'effort pourcentage, donc voilà, en tant que grand professionnel, il se sacrifie maintenant pour Yael Van Endert et Tosh van der Sonde. Autant les lotos ont un peu collaboré lorsqu'il y avait l'échappée matinale, mais là, c'est vraiment le premier effort qu'ils font dans le final pour contrôler cette course, car avant, on avait laissé l'affaire à Wanty et à Rampaud. Là, l'auto doit prendre les choses en main puisqu'il y a un Rampaud devant et deux Wanty. Voilà, ils sont un peu piégés là, non? Voilà, ils sont restés bien placés toute la journée. On a pu voir que Sean Deby a travaillé dans la partie en ligne. Mais maintenant, ils ont déjà été surpris avec l'attaque de Rampaud le tour avant. Et voilà, ici, une nouvelle fois, c'est les deux plus grosses formations qui se détachent. Donc l'auto est un peu piégé à ce jeu-là. Ils ont perdu quelques éléments, dont Rémi malheureusement, mais... Voilà, Rémi sort d'une Vuelta, donc il doit vraiment prendre le temps de récupérer. Et c'était peut-être pas l'occasion pour lui de se mettre en évidence ici, mais ça n'empêche rien de souligner sa très 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 bonne saison. Et ce n'est qu'encourageant pour la saison prochaine, le fait d'avoir participé à cette Vuelta, donc 3 semaines d'effort. Et on dit souvent qu'après une Vuelta, on passe un cap et on passe un bon hiver aussi, puisque vous avez passé 3500 km en 3 semaines au mois de septembre. Donc forcément, le moteur est là et c'est bénéfique pour le début de saison de l'année prochaine.
Ouais, intéressant, là, ce que vous venez de dire, Gaëtan. C'est important hein, dans l'optique de la préparation de l'année suivante, même si ici, on clôture cette saison. On a toujours le regard, finalement, vers le futur. Et bah, cette petite note d'encouragement pour Rémi, bah, je pense que Rémi, il est bien conscient de ses qualités. Et c'est pas parce qu'il a lâché sur une course près de chez lui qu'il va avoir un coup moral. Loin de là, Rémi Merz, qui a réalisé une super belle saison. Ouais, ça devient quand même intéressant là. Hein. 15 secondes, Gaëtan, ouais, pour ces trois coureurs, 27 km de l'arrivée. Ces coureurs sont sortis à la pédale. Donc, on a trois gros moteurs aux avant-postes avec Martin Meurice pour la Wanty et Budding pour la formation Rampot. Voilà, donc on va voir un petit peu si. Allez, si voilà, le coureur Rampot maintenant est conscient de l'écart, donc il va sûrement collaborer avec les deux autres. C'est pas facile quand il vous a toutes êtes. Les raisons à collaborer puisqu'il met son équipe à l'abri derrière aussi. Voilà, exactement, mais c'est pas évident aussi de collaborer avec deux coureurs de la même équipe parce que vous savez que vous êtes piégé, donc ouais. C'est toujours délicat, mais dans un premier temps, il a intérêt à faire l'écart, tout intérêt pardon, à creuser l'écart et voir un petit peu ce qui se passe ici pour le dernier passage de la ligne. Autant dire que là, les coureurs qu'on voit à l'écran sont à bloc. Hein. Là, il n'y a pas de doute. C'est étiré. Il reste 26 km à parcourir pour ces coureurs qui vont entamer le dernier circuit local. Une légère difficulté encore avant d'entamer ce dernier circuit local avec la remontée vers Waha. Et donc, trois coureurs en tête, c'est la situation. 18 secondes, c'est le dernier écart pour... ces trois hommes de tête face au reste du peloton. Un peloton emmené par l'auto qui n'a plus le choix. L'auto a été piégé vu que les deux autres grosses formations de cette épreuve, des équipes engagées, les deux autres grosses équipes que sont Wanty et Rockpot sont présents. Ces deux équipes sont présentes aux avant-postes avec Martin Meurice pour Wanty et Budding pour la formation Rampot. Ici on peut voir qu'ils sont sur une portion un peu défavorisante pour eux comparé à un peloton puisque la route est un peu plus large. Ensuite à 3 km de l'arrivée ils reviendront sur des routes plus étroites donc beaucoup plus, ils seront plus à l'aise et le peloton ne les aura pas en point de mire. Mais ici, ouais, voilà, là pour l'instant ils sont toujours vus. Voilà, surtout ici dans ce faux plat montant. Je pense que si la caméra nous montre un plan de l'arrière, on verra, on pourra juger un petit peu l'écart qu'il y a. Mais voilà, ici Guillaume sent qu'il est vraiment très à l'aise, il maîtrise son sujet. On va voir un petit peu maintenant si l'écart sait se creuser. Bon, l'écart GPS 17 secondes, donc ça commence à être vraiment intéressant. Et le fait que cette équipe Wanty a la clé finalement, la possibilité d'être la première formation au classement Europe Tour, bah, c'est une motivation supplémentaire pour tous les coureurs. Je pense que ils ont cet enjeu supplémentaire par rapport aux autres formations. Peut-être que ça les motive davantage que les autres formations qui n'ont peut-être plus grand chose à jouer cette saison. Voilà, je pense que le directeur sportif Hilaire Van der Schuren a bien dû le souligner au briefing ce matin que cette course était très importante. Et c'est tant mieux pour l'organisateur hein, voilà, de la Femme et Ardennes Classique. Peut-être qu'il n'avait pas imaginé tel scénario non plus. Hein. Voilà, exact. Là, on a vraiment affaire à un très beau spectacle pour une course de fin de saison, car souvent, c'est moins le cas. Oui, j'entendais Maxime Montfort au départ dire bah, « Il faut rester vigilant, même une échappée matinale, bah, des fois, en fin de saison, elle va au bout parce que derrière, bah, ça ne roule pas. » Voilà, ça arrivait fort régulièrement qu'une échappée de 10-15 coureurs prenne 5-6 minutes. 10-15 motivés, finalement Voilà, ça dépend un petit peu des circonstances de course, c'est toujours dur à juger. Mais voilà, donc ça demande beaucoup d'efforts à un peloton de revenir sur un groupe de 6-7 minutes. Donc quand c'est en fin de saison comme ça, l'effort est vraiment trop dur. Ben voilà, en général, le peloton abdique et c'est au plus grand bonheur à ce moment-là des fouillards. Mais ici, ce n'était pas du tout le cas sur cette course-ci. On a pu voir donc 6 hommes en échappé, donc c'est un scénario classique ouais. Voilà exactement, et une très très belle course qui se dessine dans le final avec un très beau parcours proposé. Donc il n'est pas trop exigeant le parcours, mais il n'est pas... C'est très usant. Hein. Voilà exactement, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de scénarios qui pouvaient se dessiner dans le final. Et le plus important, c'est qu'il y ait un beau vainqueur à l'arrivée.
Donc, gros plan sur les transmissions de ces coureurs, son grand plateau hein, dans cette portion montante. C'est-à-dire qu'on envoie du lourd, forcément. Il reste 24 km, il ne faut plus trop réfléchir. Dernier écart, 24 secondes, ça devient quand même très intéressant, Gaëtan. Voilà, donc je pense que derrière, c'est en train de se regarder. Donc on a vu tout à l'heure Maxime Montfort qui était un petit peu esselé pour maîtriser ce peloton. C'est qu'il n'a pas eu de relais ou qu'une autre équipe ne veut pas prendre ses responsabilités. Pourtant, des équipes piégées, il y en a quelques-unes. Donc ici à l'avant, maintenant, ils vont vraiment maintenir leur tempo. Et on va voir un petit peu ce qui se passe entre le dernier passage de la ligne d'arrivée et le pied de la côte, où là ce sera vraiment pas une portion favorable à ces trois hommes là. Donc on a une forte impression en tous les cas quand on voit leur coup de pédale. Guillaume Martin est assez impressionnant, j'ai même pas l'impression qu'il est en train de souffrir. Xandre Maurice a un coup de pédale un peu plus saccadé et Budding a l'air très très bien aussi hein. on a trois coureurs qui sont sortis à la pédale. Il reste 23 km à parcourir. Il va falloir aller les rechercher. Hein. Oui, bah c'est vraiment à la pédale qu'ils sont sortis dans la côte. Donc, sportivement, c'est les coureurs les plus forts du groupe. Maintenant, il faut voir un petit peu derrière comment ça va s'organiser. Maintenant qu'on aura un autre écart, on saura juger un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Ce serait peut-être intéressant que la caméra se fixe sur les hommes derrière. Oui, qu'on puisse voir un tout petit peu voilà. Le peloton. On aura au moins le comportement. Voilà. Les voir, évidemment. 2 km, c'est pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il restera encore un circuit local à parcourir de 22 km. Et cette difficulté encore à franchir une fois la côte de Charneux principale. Difficulté du circuit local. 24 secondes, dernier écart pour ces trois fouillards. Oui, c'est important là, ce qui est en train de se passer. L'auto est piégé. Et je pense que ça ne doit pas vraiment rire dans la voiture de chez Lotto. Voilà, exactement. La petite concurrence entre les directeurs sportifs, ça semble assez nerveux derrière. Donc, entre Ineer Van der Skuren et du côté de chez Lotto, c'est Kurt Van de Wover. Donc, voilà, un petit peu le temps de reprendre ses esprits. D'ailleurs, voilà, le nouveau écart GPS avec 34 secondes. Voilà, donc, c'est bien la preuve que ça ne s'organise pas du tout derrière. Ici, les fouillards ne vont pas perdre trop de temps puisque ça va être la descente technique juste avant l'arrivée. Donc ça, c'est un beau scénario pour l'instant auquel on et a c'est pris. Un très beau scénario pour Wanty hein. Imaginez deux coureurs en tête, pas des moindres. Vous avez Martin qui a fait un Tour de France remarquable, qui est encore en forme en cette fin de saison. Xandre Maurice qui va être le parfait équipier je pense pour Martin, mais il aura évidemment aussi sa carte à jouer quand on est deux de la même équipe dans un trio de tête. Forcément on a c'est du 50-50 en termes de cartes à jouer ou pas spécialement Pas spécialement vu ici des circonstances. Dans la première partie du parcours, donc le groupe va s'entendre et puis après on arrivera dans la côte où clairement Guillaume normalement va attaquer puisque c'est là que lui doit créer la différence. Ensuite on peut imaginer que Xandro, même s'il est bien, reste avec le coureur de Rampot pour justement assurer une éventuelle deuxième place. Dans ce cas, donc pour revenir un petit peu au classement UCI World Tour par équipe, Wanty a 10 points de retard sur Cofidis. Oui. En cas de victoire, le vainqueur de la course empochera 125 points, le deuxième 85 points. Donc on peut imaginer, donc dans le cas de figure là, s'ils maîtrisent bien leur sujet, ils seront premier et deuxième, donc ça ferait 210 points. Là, et c'est vraiment la meilleure opération. Ouais. Pour le classement final, je pense qu'il doit rester trois courses. Cofidis est un peu plus en retrait ces dernières semaines. Ouais. Donc c'est vraiment mission accomplie pour les troupes d'Ineer Van der Skuren. Mais bon, rien n'est encore joué. Il reste 21 km que nous allons évidemment suivre ensemble sur le site web en live de TV Lux. Si vous êtes avec nous, merci en tous les cas de nous suivre. C'est, je pense, la première fois d'ailleurs que votre télévision locale TV Lux vous propose de suivre une course en intégralité alors que Maxime Montfort emmène le peloton. Ils ne sont que deux hein, de la loto pour gérer les opérations derrière. Et oui, Wanty est évidemment bien présent aussi hein, dans ce groupe. Est-ce qu'il reste du peloton? Et j'ai presque envie de dire, il va falloir peut-être aller un peu plus vite pour revoir ces coureurs car 34 secondes à 21 km avec trois hommes forts aux avant-postes, ça va devenir compliqué si on ne réagit pas plus tôt. Oui, surtout qu'ils sont que deux coureurs de la loto
Soudal a contrôlé, donc, mais bon, deux très bons coureurs puisque c'est Maxime Monfort et Sander Armé, donc deux hommes en Sander Armé qui est vraiment très en forme avec sa victoire à la Vuelta. Hein. Et derrière, preuve que Wanty Group Gobert maîtrise vraiment bien leur sujet. Ils ont placé trois coureurs dans la roue histoire d'impressionner ce peloton et d'aller rendre la tâche beaucoup plus difficile pour leur tour sur les échappées. Voilà, Martin, Meurice, Budding, c'est le coureur de la formation Rompot, Martin Budding, Guillaume Martin, numéro 12, pour la formation Wanty Group Gobert avec Xandro Meurice. C'est le trio de tête, ces trois coureurs tentent leur va-tout, ils jouent carte sur table, il n'y a plus trop d'hésitation là, à voir. Maintenant, il faut tout donner, plus rien calculer, car certes, l'écart est assez important, 37 secondes, mais ce n'est pas non plus suffisant pour se dire, bon, on va se regarder, on va un peu calmer le tempo. Non, il faut tout donner maintenant, rien garder sous la pédale. On a pu apercevoir que dans ce peloton principal, il reste aussi Marvin Tasset de chez Ago Aquality. Donc Marvin finit très très bien la saison avec ici récemment une 19e place à Paris Tour Espoir, donc c'est toujours encourageant quand on voit un jeune comme ça dans un petit peloton être encore présent pour l'avenir. Et en parlant de jeune, on peut s'apercevoir que Budding n'a que 22 ans, donc c'est vraiment un coureur très prometteur. Il s'est distingué avec des places d'honneur durant cette saison, comme notamment une 8e place à la Classique Sud-Ardèche, une 7e place à Scal Sales. Et chez les juniors, il fait 7e du Grand Prix Général Patton. Ça monte là. Hein. C'est très compliqué. Donc c'est comme épreuve. Une épreuve de référence chez les juniors, le Grand Prix Général Patton. Exactement. C'est toujours un indice sur l'avenir d'une carrière, un petit peu les résultats juniors, même si, on le sait très bien. On dit toujours les compteurs se remettent à zéro, mais voilà, c'est pas vraiment ça non plus. Il faut savoir que la route est toujours encore longue à ce moment-là quand vous sortez des juniors, mais voilà, les champions juniors ne trompent pas. Voilà, exactement, la classe, on peut dire. Je prends l'exemple lorsque vous étiez junior, dans Diego Olisi, qui a été deux fois champion du monde. Il avait déjà presque signé son contrat à la sortie des juniors. Voilà, il est toujours professionnel maintenant. C'est un excellent coureur italien. Bon, on s'intéresse évidemment à ce final. Il reste 19 km devant. On ne tergiverse pas. Et l'écart grandit, Benjamin. Deux coureurs loto face à trois hommes de tête, c'est peut-être un peu faible pour rivaliser. Oui, exactement. Surtout ici, là, on voit Guillaume qui dégage beaucoup de puissance. Il est vraiment à l'aise. On va vraiment se remettre en danseuse comme ça. On voit que beaucoup de force se dégage de son bassin. Donc c'est vraiment très prometteur pour la côte qui arrive. Quel doit être le rôle d'un Budding là dans le final, parce qu'il ne va pas non plus, à mon avis, tout donner, sachant que c'est peine perdue face à deux coureurs de la même formation dans un trio de tête. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Il a un bon visage aussi. Donc normalement, il va collaborer sur cette partie-ci, la grande route, donc toujours pour maintenir un écart. Et puis, il sait très bien qu'il doit se méfier de Guillaume Martin dans la côte, donc on peut s'attendre à ce que les 2-3 km avant la côte, il ne passe plus, il récupère. Et à ce moment-là, ce sera au rôle de Xandro Meurice de contrôler. Et après, les deux coureurs vont se livrer une belle bataille dans cette côte de Charnay. Et Guillaume Martin, qu'on voit à l'image, qui a terminé 3e d'une étape sur le Tour de France, qui fait un excellent classement général. Il est dans le top 20, Gaëtan, du Tour. 20 ou 21, je pense, c'est très très prometteur. Un coureur de la deuxième division du cyclisme. Et c'est là tout l'intérêt d'aller chercher le classement Europe Tour, parce que toutes les formations Pro Tour, à l'instar d'une équipe comme Lotto par exemple, est d'office invitée sur les épreuves World Tour, elles sont toutes invitées, mais par contre, des équipes comme Wanty, elles doivent avoir des arguments pour être invitées. Et c'est un très bon argument de figurer en tête de ce classement Europe Tour. C'est, à mon avis, entre autres pour cette raison-là, qu'ils ont participé au Tour de France. Je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi qui ont joué en faveur de la formation Wanty, mais ça fait partie des facteurs chance pour cette équipe. Oui, donc Wanty a vécu une saison assez particulière la dernière avec le décès d'Antoine Demoitier. Du coup, ça a créé une histoire autour de cette équipe.
Ensuite, s'en est suivi la victoire d'Enrico Gasparotto à l'Amstel Gold Race. Donc c'était vraiment un moment extraordinaire. Et à la victoire fin de saison, l'équipe a remporté le classement UCI par équipe. Donc ça se fait encore un argument en plus. Ils se sont renforcés cet hiver en reprenant 4 coureurs français. Donc Johan Ofredo, qui a vraiment fait une très très bonne campagne flandrienne. Et ce fameux Guillaume Martin, la jeune prometteur. Donc c'est tous ces arguments qui ont fait que Wanty méritait amplement leur place. C'est un pari sur l'avenir, hein, ça, ce, voilà, ce surtout qui va continuer avec Wanty. Donc il est très conscient que dans ce genre d'équipe, il va avoir un programme idéal, puisque Wanty fait partie des équipes continentales professionnelles qui reçoivent beaucoup d'invitations pour le Tour, donc comme le Tour de France, le Dauphiné Libéré, le Tour de Romandie. Donc c'est vraiment une décision fort réfléchie de la part de Guillaume de rester dans ce genre d'équipe où il respire la liberté. Eh oui, évidemment, il peut jouer sa carte. Il aurait peut-être moins de possibilités dans une formation à l'échelon supérieur, même si voilà, je exactement. Pense que dans les années à venir, il pourra peut-être prétendre à ce rôle-là dans une équipe pour le Tour. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Coup d'œil sur le château à Argimont. Dernière fois que les coureurs passent devant ce château, parce que la bataille finalement, elle va peut-être avoir lieu dans quelques kilomètres. Je pense pas qu'ils vont rester groupés dans cette côte, Gaëtan. Non, surtout qu'allez, ils se donnent quand même. Ils donnent beaucoup d'efforts pour creuser l'écart. Donc, l'écart se réduit, hein, l'air de rien, on est passé à 28 secondes. Certes, on n'a pas raboter l'écart de beaucoup, mais bon, voilà, ça veut dire que c'est pas course perdue pour les coureurs là dans ce peloton. C'est pas encore un peloton de battu, mais il va falloir, parce que avec cet avantage, c'est un sacré tremplin, hein, pour ces trois coureurs. Voilà, on peut se douter que Sander Armé et Maxime Onfort font le travail jusqu'au pied de la côte, donc ils vont tout donner pour réduire cet écart, et puis après je suis curieux de voir qui va attaquer, qui va prendre ses responsabilités derrière pour essayer de rentrer sur ces trois hommes de tête. Je préviens juste nos amis téléspectateurs, dans quelques instants on aura un passage publicitaire et on vivra vraiment ce final en intégralité. La situation, à mon avis, ne devrait pas changer avant la côte de Charneux. Et voilà, on se retrouve juste après cette courte page publicitaire. Venez découvrir Rochehaut sur Semois. L'auberge de la ferme vous propose une mise au vert au cœur de l'Ardenne authentique. Profitez d'un agréable séjour gastronomique suivi de la découverte des produits du terroir dans notre boutique spécialisée. Vous embarquerez ensuite à bord de notre petit train pour une visite du parc animalier entre ferme et forêt. Enfin, remontez le temps grâce à notre agrémusée. En amoureux ou en famille, un séjour riche en émotions. Plus d'infos sur www.aubergedelaferme.com. Voilà, de retour pour suivre ce final. Merci d'être avec nous pour suivre la fin de cette course. Maxime Monfort, on annonce que Maxime Monfort a lâché du peloton. Il a fait son boulot, Maxime, et l'écart est de 21 secondes pour ces trois coureurs, Martin, Meurice et Budding. C'est Martin là qui emmène le groupe d'échappée. Ils sont dans la côte de Charneux. On peut même dire que Martin se détache là. Oui. Donc, voilà, c'est le risque de laisser aller dans ce cas-là. Ouh, le peloton est pas loin là, Gaëtan. Voilà, il faut faire un petit peu attention avec le pourcentage, ça peut un petit peu fausser, mais Martin décide de partir seul dès les premiers pourcentages, donc voilà, il maîtrise bien son sujet. On va voir maintenant derrière vers quel danger peut venir, vers quelle équipe, je pense notamment à Maxime a lâché, c'est qu'il a vraiment énormément roulé. Voilà, hein. on peut voir les lotos qui prennent responsabilité, mais sans attaquer, en contrôlant dans un premier temps. Donc je suppose qu'ils veulent servir de rampe de lancement pour un Yael Van Aert ou un Tosh Van Der Sande. Quel altruisme en tout cas de Maxime Monfort qui roule sur cette terre et qui fait un effort ainsi pour ses équipiers. Coup de chapeau quand même, hein, oui, aux Nadrinois. Alexandre Meurice devrait plus laisser le travail à Budding. J'ai l'impression aussi que tactiquement c'est pas top ça.
Non, exact. D'ailleurs, peut-être que... Non, Guillaume, ça va rester calme. Mais il fait son ascension sans se mettre dans le rouge et en pensant bien de relancer sur le sommet. Mais... Ah non, Budding ne veut pas passer. Il laisse le boulot à Xandromeris, ça lui tient... Oui, il veut rester au contact quand même. Donc, Guillaume fait fort bien attention à ça. Et ça, c'est peut-être une petite erreur entre les deux coureurs qui pourraient se payer dans le final. Il serait peut-être temps de se séparer, j'ai envie de dire, parce que la meute est là. Oui, voilà, Martin Guillaume... a demandé de collaborer. Hein. Voilà, ils vont arriver à Budding, semble passer. Martin va aborder la petite descente avant l'effort pourcentage. Donc, le peloton se rapproche de l'écart peut-être d'une dizaine, quinzaine de secondes. Ouais, on pensait finalement que c'était course gagnée pour ces trois-là. C'est un super scénario là parce que c'est vraiment un défi. Voilà, et on assiste vraiment à une très belle course de fin de saison. Voilà, Guillaume ici est dans la petite descente. On va voir quel est son comportement dans la partie la plus raide du parcours. Bah, en tous les cas, ça veut dire que cette épreuve avait bel et bien sa place dans le calendrier quand on voit comment elle est disputée. C'est pas mal hein, pour une course, vous venez de le dire, c'est pas mal pour une course de fin de saison. Et là, Martin envoie les watts. Hein. Voilà, et une nouvelle fois, Xandromeris roule assez fort derrière, donc c'est toujours c'est un petit peu étrange, mais Guillaume semble parti ici. Oui, là, il est parti dans les pourcentages les plus compliqués. Voilà, il sait que c'est vraiment en deuxième partie de côte qu'il faut faire la différence, et là, il est presque à 100% de ses capacités, mais son visage reste assez serein. Oui. Donc, on voit qu'il contrôle. Et tout en danseuse. Et là, on peut voir avec le pourcentage que le peloton ne revient pas si facilement. Ouais. Donc, très belle ascension en tous les cas de Martin. Voilà, derrière un petit peu des attaques, mais donc, ça semble être la formation Seigle, la formation Roubaix. Donc, on ne voit plus les lotos qu'ils ont un petit peu... ils ont un petit peu reculé. On voyait deux coureurs de Wallonie-Bruxelles. Donc, ça va être compliqué là pour Guillaume Martin hein, sur cette portion avec le vent. Ça va... Oui, mais normalement c'est vent 3 quarts d'eau, donc ce serait quand même assez favorable. Oui. Et là, justement, c'est là que le peloton peut se désorganiser, enfin les hommes qui attaquent, puisque c'est souvent. Voilà, regardez, on voit bien. Super image, hein, ça, voilà. Avec Martin et puis le reste de la meute. Ah, il va falloir faire quelque chose derrière si on veut revoir Guillaume Martin. Oui, là j'ai pas l'impression que ça bouge. Voilà. Si. Tosh van der Sande suit les mouvements, donc voilà, il sent bien la course. C'est quelqu'un qui est capable de régler ce genre de groupe au sprint. Et Guillaume continue sur son rythme assez élevé, voilà, devant, donc c'est pas trop organisé. C'est qui tout double hein, pour Guillaume Martin. Là il est en train de faire un gros effort, il n'a plus le choix. Et s'il se fait reprendre, c'est terminé. Hein. Il aura donné toutes ses cartouches. En tous les cas, beau final, hein, beau final sur cette fameuse Ardennes classique. Oui, il reste 8 km à parcourir. On va voir ça va rentrer. Hein. Ça va rentrer. Ouais, on va voir quelle formation a tout intérêt à rouler. Donc, on peut voir qu'un coureur de Top Sport sort du lot. Donc, on voit toujours Marvin Tassel, dont on parlait tout à l'heure. Il y a une cassure. Hein, il y a, je pense, 4-5 coureurs, peut-être Maxime un peu plus. Vantom, voilà, Dimitri Payskens. Xandromeris qui va basculer avec le groupe, donc toujours intéressant. Mais. Tosh van der Sande a l'air bien. Voilà, est-ce qu'il se relève, est-ce qu'il se relève pas? Il sait pas trop, j'ai l'impression, Guillaume Martin. C'est dur à trouver des coureurs capables de prendre les responsabilités derrière, rien n'est organisé. On voit Dries de Bont aussi qui a une très très belle pointe de vitesse. Mais quant à Martin, voilà, il continue le nez dans le guidon, il n'a plus le choix. On va voir un petit peu à l'arrivée s'il a eu raison d'attaquer à un peu plus d'un tour de la fin. Et le scénario idéal rêvé par Wanty est peut-être en train de se briser là, hein, dans les derniers kilomètres. Parce que oui, certes, Martin sera toujours devant, mais avec les cartouches qu'il vient d'user là, il n'aura peut-être pas les mêmes jambes que ceux qui vont rentrer sur lui. Hein. Exact, pour lui, ça ne sera plus possible d'accélérer. Voilà, on voit que le groupe... s'organise maintenant tout doucement, donc c'est dommage pour lui parce que allez, on va voir un petit peu comment ça se passe, mais il est passé à côté d'une bonne occasion de s'imposer parce que c'était vraiment le plus fort du peloton au niveau de cette côte là de Charneux. Ouais, il a tout donné, j'ai l'impression. Il va se faire reprendre, peut-être qu'il lui en reste un tout petit peu sous la pédale. Il reste, on va dire, une légère difficulté pour retrouver le village de Waha. Que ça relance là en tête de la course. Martin prend la roue. Voilà, Guillaume a été repris. Donc on peut mettre ça sur le compte de la jeunesse, un petit peu fougueux, même s'il a vraiment bien confirmé ces dernières semaines avec ses récentes victoires.
Après, il avait toutes les raisons d'y croire aussi, hein, quand on a 30 secondes, un peu plus de 30 secondes. Oui, mais derrière, les deux coureurs de l'Auto, avec Sander Armé et Maxime Monfort, ont vraiment fait un bon boulot pour réduire au maximum cet écart au pied de la côte. Et on a pu voir que l'écart s'est fortement réduit à ce moment-là. Et puis, ben, on appelle ça le travail de l'ombre. C'était durant les pages publicitaires. Maxime Monfort a fait un travail conséquent. Et ben, ce travail paye, puisqu'on est rentré sur le groupe d'échappés. Alors qu'il y a quand même une petite centaine de mètres qui sépare ces fouillards du reste du peloton. Voilà, donc ici, à l'arrière, on peut. Je pense que le danger vient plus de derrière avec les Lotto Soudal et Sander Armé. Oui, ça semble être Sander Armé qui fait encore un très très gros boulot parce qu'il roulait avant la côte et il est encore présent. Et donc voilà, il va vraiment se sacrifier pour Tosh Van Der Son, à moins qu'il reste Moreno Offland. Donc là, ici, on voit que Dries De Bon fait la descente à fond. Dries De Bon, c'est un attaquant, hein, ça. Bien sûr, et il a tout intérêt que ce petit groupe-là arrive parce qu'il est vraiment capable de l'emporter. Dries De Bon, qui avait raflé quelques étapes sur l'Ardennes Challenge, c'était la saison dernière. Épreuve réservée aux amateurs, élite et espoir. Dries De Bon, le voici. Ouais, il donne tout là, Dries De Bon. Il tente même d'y aller seul, on va voir un petit peu. On ne le laisse pas partir. Non, tout le monde. Ça va rentrer, on voit vraiment le travail de la loto pour ramener la meute là sur ces quelques fouillards. Voilà, donc c'est vraiment l'équipe la plus expérimentée ici, donc ils maîtrisent toujours un groupe comme ça, donc il sera intéressant de voir il reste qui. On verra ça un peu plus tard avec les images. Donc là voilà, ils abordent le premier virage droite assez technique dans les bois. Ensuite ce sera voilà, donc Dries négocie vraiment bien ce virage là, puis il va plonger sur la gauche et normalement en bas sur la route un peu plus large le groupe va se recomposer. Bonne vingtaine de coureurs, entre 20 et 30 coureurs j'ai l'impression pour jouer la victoire. Pour cette première édition de la Famenne Ardennes Classique, quel scénario en tous les cas. Ça peut être une course d'attente, hein, très vite sur le circuit final. Et ça a attaqué, on vit en tous les cas un final très intéressant et plutôt indécis. Hein. Oui, on a beaucoup de chance d'assister à un tel scénario sur une course de fin de saison. Donc ça c'est. On voit vraiment que l'organisation est bonne jusqu'au bout avec un très très beau parcours qu'il nous proposait. Oui, je confirme, c'est bien Sander Armé qui contrôle, donc très très impressionnant. On voit qu'il a toujours sa forme de la Vuelta parce que réaliser le boulot qu'il a fait avant la côte et être encore présent maintenant. Voilà, donc l'auto s'est regroupé. Donc c'est la force tranquille aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'auto. On les a vus, oui, certes devant quand il y avait l'échappée matinale. Et puis ils ont. C'était plutôt une course d'attente pour eux. Hein. C'est vraiment lorsqu'il a fallu visser derrière Guillaume Martin. Ils sont rentrés avec, rappelons-le, le travail de Maxime Monfort, qui est un travail de l'ombre, mais qui l'a fait de bien belle manière pour ramener sur. Le trio de tête, et voilà maintenant les lotos dans une situation intéressante. Oui, exact. Ben, ils sont vraiment conscients de leur capacité, donc ils ont normalement le coureur le plus véloce avec Moreno Offland et la deuxième carte de Tosh Van Der Son. Donc oui, ces deux cartes là, et je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir car ce sera vraiment le scénario. Ah, c'est le scénario en tous les cas qu'ils espèrent. Voilà, exactement. Pas encore rentré, voilà, il maîtrise leur sujet. Il semble être encore 4, donc on peut penser, oui, Moreno Offland semble être là, donc on peut penser que Tosh Van Der Son va sacrifier dans les dernières centaines de mètres pour lui. Ouais, chronique peut-être d'un succès annoncé pour la formation Lotto, mais rien n'est joué car il y a d'autres coureurs qui peuvent encore prétendre à la victoire. C'est pas course gagnée pour la Lotto, même s'ils sont quand même assez impressionnants. Oui. Voilà, bon, il y a ce trio qui va plus que probablement se faire reprendre. Et on va arriver à combien là pour la gagne? Une trentaine? Oui, ça semble être une trentaine, mais on peut vraiment souligner le coureur de chez Top Sport ici parce qu'il a fait la côte en tête, il a fait un petit peu la sélection et là il arrive encore à se détacher avec les deux autres coureurs, donc il est vraiment très très fort. Oui. J'arrive malheureusement pas à distinguer c'est qui, mais voilà, donc c'est vraiment pour les hommes seuls, ça va être ici dans le faux plat remontant. Oui, c'est là finalement la dernière difficulté de cette épreuve à 3 km de l'arrivée, 3,7 km exactement pour ce final
et c'est Maxime Vantôme, ça. Non, Dimitri Payskens, qui prend le relais. Qui avait lui aussi remporté une étape de l'Ardennes Challenge à Compogne, quand il roulait pour la formation 3M. Alors que dans le groupe juste derrière, on aperçoit Kevin Van Melsen, Frédéric Bacquart. Donc les Mantis sont encore bien présents pour, on va dire, assurer les points pour leur classement UCI Europe Tour. Kevin Van Melsen qui s'accroche là en queue, donc c'est vraiment fantastique pour lui d'être encore présent dans la finale. Ouais, avec le boulot qu'il a fait. Voilà, et c'est ça, c'est vraiment ce. Et attaque, Frédéric Bacquart qui attaque. Attaque de Bacquart. Ça va être intéressant parce que ça court très très fort. Directement dans la roue. On va voir un petit peu comment ça se dessine. Malheureusement, il sera si là. On va voir, voilà, on va arriver. Trois derniers kilomètres, ah, ça se regarde, c'est groupé. Ouais. Donc c'est l'occasion pour un coureur pas trop rapide. De mettre une attaque, comme on dit. Donc. Il reste un petit kilomètre plutôt montant et puis on file vers l'arrivée. Hein. Voilà, Maxime Vantôme qui est là, qui a une très belle pointe de vitesse. On peut voir aussi de chez Roubaix, Jérémy Leveau, qui a fait troisième au championnat de France derrière Arnaud Demar et Nasser Bouhanni. Donc ça va être... Oui, là c'est un élément à prendre en considération. Voilà. Une bonne pointe de vitesse pour le coureur de chez Roubaix. Voilà, donc on peut voir que l'auto travaillera pour Moreno Flandre. Marvin Tassé est toujours là aussi. Oui, oui, c'est ça. Il a bien passé la côte, il est avec. On va voir un petit peu comment il se débrouille. Donc maintenant, voilà, le groupe va rentrer dans les portions. Attaque. Frédéric Bacquart qui attaque encore. Et là, c'est plus sérieux. On voit que c'est toujours Sander Armé qui doit faire le travail puisque Tosh Van Der Sande. Ils veulent déstabiliser la formation l'auto. Bien sûr, hein, Tosh Van Der Sande a comme rôle d'emmener Moreno Flandre. Donc lui, normalement, ne peut pas. Doit laisser le travail sur les épaules de Sander Armé. Il fait un gros boulot. Hein. Incroyable, toujours. Sander Armé avec son gros braquet, comme il a gagné l'étape à la Vuelta, toujours. Il emmène un très gros braquet. Frédéric, malheureusement, coince un petit peu. Donc, c'est Jérémy Leveau qui fait l'effort. Qui bouger. Ouais, voilà. Ouais. Voilà le cours de Robet. Sébastien Delfosse dans la roue qui suit. Avec Thomas Degan qu'on avait. Voilà, il bouge le trou. Ouais. Non, ce n'est pas Jérémy Leveau, c'est Anton Marchi. Donc, c'est un coureur vraiment un très très bon puncher. Ouais, c'est le genre de parcours qui lui convient, mais voilà, normalement ça. La pomme Marseille et. Exactement, le Dex en Provence aussi, si mes souvenirs sont bons, et qui couvre pour la formation de Roubaix. Il a quitté le soleil, on va dire ça comme ça. Attaque, à nouveau. Ouais, c'est animé, hein, ce final. On voit Thomas Degan intelligemment qui rebouche le trou. Donc. L'équipe Wanty Group Gobert essaye d'amener pour un sprint maintenant, donc à voir quelles cartes ils vont jouer. Et là, c'est peut-être intéressant de regarder le rôle d'un Tosh Van Der Sande qui va vraiment placer au mieux son sprinter. Donc, ça va aller très vite, hein. Il reste 2 km en étant direct sur le web sur TV Lux pour suivre ce final à 2 km de l'arrivée maintenant. Et ça roule très très vite, ça va être descendant jusqu'au dernier virage avant l'avenue de la Toison d'Or à Marchand-Famène. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer car les pronostics vont bon train. Il y a pas mal de coureurs qui ont la possibilité d'encore remporter cette course. On assiste vraiment à un très très beau final, très indécis encore à 2 km de l'arrivée. J'ai un peu l'impression qu'on assiste à un final d'une course junior où ça part dans tous les sens, Gaëtan. Oui, mais ça c'est le fait qu'au départ il y a une grosse formation comme l'auto et le reste des équipes continentales, donc de certains coureurs avec une très très forte individualité, donc ils sont capables de dynamiter comme on voit le coureur ici qui tend le coup. Donc voilà, ici il faut se placer, hein, parce que ici, il y a la petite portion pavée avant la descente rapide. Oh là là, il est sorti large. Voilà, il prend les risques pour creuser l'écart, mais malheureusement derrière ça pilote bien. Ouais. Voilà, donc là ça va être la descente rapide. Et les lotos sont bien placés. Voilà, donc là, c'est, comme je soulignais tout à l'heure, c'est Tosh Van Der Sande qui situe troisième. Ouais. Voilà, donc lui, son rôle, c'est simplement de déposer à 200 mètres de l'arrivée Moreno Flandre et de contrôler toutes ses attaques. Donc intelligemment, il doit sortir de sa boîte, là, Tosh Van Der Sande. À ce moment-là, il doit faire le boulot pour recoller, pour ne pas laisser le rampot prendre de l'avance. Donc voilà, il est dans la roue, il va pouvoir souffler un petit peu. Et normalement, il ne devrait pas avoir d'attaque vu qu'on est dans la descente. Maxime Vantôme est bien placé aussi pour la formation. Maxime qui a une très belle pointe de vitesse. Classique. Le passage du pont, voilà. Et donc là, Tosh prend les rênes. Donc c'est comme si une descente technique, c'est mieux devant. Voilà, il descend très très bien. Il emmène Moreno dans un fauteuil. Hein. Voilà, idéalement, il est dans la roue. Bloqué dans sa roue arrière, il aura juste à se concentrer après le virage dangereux ici à 300 mètres. Ça file vers l'arrivée, il reste un kilomètre à parcourir, un peu plus d'un kilomètre. Voilà, ici il n'y aura plus d'attaque, je vais dire, ce n'est plus propice aux attaques. Et ce dernier virage avant l'avenue de la Toison d'Or,
Voilà, bien négocié. Pas de risque pour Moreno Patterson. Moreno Vlande est excellemment placé. Et le sprint va être lancé. Van der Sand qui fait son boulot jusqu'au bout pour emmener Moreno Vlant. C'est parti. Sprint en léger faux plat montant avec Offlant. Toujours Offlant devant. Et Jérémy Leveau dans la roue de Moreno Vlant. Et c'est Jérémy Leveau qui va. Oh, Leveau, non, ne passera pas. Victoire pour Moreno Offlant. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Il fallait pas que la ligne se situe 10 mètres plus loin parce que j'avais l'impression que Jérémy Leveau pouvait passer. Victoire pour la Lotto qui a contrôlé la course de main de maître dans le final. Ils ont été impressionnants, les Lotto. Et travail de Maxime Montfort, même si c'était pendant les pages publicitaires, mais il s'est mis à plat ventre. Hein. Exactement, mais on a pu voir que l'écart s'est très bien réduit, donc chapeau à lui. Oui, il vient donc ouvrir le palmarès de cette épreuve qui s'est passée merveilleusement bien pour une première édition. En tous les cas, c'est réussi. Hein. En tout cas, sportivement, on a assisté vraiment à un très très beau spectacle et c'était très chouette à commenter d'ailleurs. Messieurs, vos applaudissements pour le trio gagnant. Nous retrouvons là Maxime Van Tom, Émile Vermeulen et Moreno Offlan. Et en les applaudissant bien fort, ce sont les 120 participants. Nous sommes avec le vainqueur de cette première Femen Ardennes Classique, le Néerlandais Moreno Offlan. Moreno, Lotto Soudal was the only World Tour team at the start. Was it more difficult for you to control the race and to manage for the win? Yes, of course. If you're the only World Tour team, you know everybody's gonna look at you. And you know up front, if there's a small break, we start controlling. And yeah, we had Tosh van der Zand who can have a good finish, and I have a good finish. So depending how the final would go, if there was attacks on the climb, Tosh could follow in a small group, and if it was a small peloton, I wanted to try to hang on. And at the end, it was that scenario. I was in the front group, and I could manage to win the sprint. Thanks to my team, they did a really good job. Sean in the beginning, and all the other guys, they make a really big part of the victory for me. So I'm really happy with it. Maclay, voilà, applaudissements maintenant pour le jeune coureur qui nous vient de Flandre occidentale et dont le papa. On est avec Kenny Molly, le vainqueur du classement de la montagne. Kenny, pratiquement 150 km en échappée sur un parcours particulièrement escarpé. Ça devient vraiment l'une de vos spécialités, hein, ces longues échappées. Ouais, je prends du plaisir en les échappées, c'est vraiment c'est chouette. Quoi. C'est pour ça que quand on est jeune, qu'on fait du vélo pour percer et puis peut-être un jour arriver chez les pros. Mais là, j'ai 20 ans, je vais prendre le plaisir. L'année prochaine, je reste encore un an chez Aqua Service. Et je remercie vraiment l'équipe parce que j'ai eu un bon stage avec Fortuny Oscaro, avec pas mal de courses au niveau pro. Et ça m'a vraiment permis de prendre la caisse et puis de faire des choses comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, un dernier effort s'il vous plaît. On complète cette journée sportive de manière éblouissante. On sait qu'ici en province de Luxembourg, on peut applaudir et on peut applaudir plus fort encore. Bravo à tous, bravo à l'organisation en tout point remarquable pour un coup d'essai. On peut dire que c'est un coup de maître et on vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine.